Bonsoir tout Melolomania, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, partagez le live. Partagez. Et le temps pour moi de partager aussi sur mes pages. Un dernier tour en chanson. Continuez à partager le live, c'est un live très important. Je vais m'adresser à mes followers,
à toutes ces personnes qui me suivent depuis dans les réseaux sociaux. Partagez, parce que vous n'avez pas assez partagé, s'il vous plaît. À 6 000, on commence. J'ai lu un commentaire qui est quelqu'un qui me demande de mettre l'hymne national du Cameroun. Je vais le faire parce que c'est mon pays. Hein. Voilà. Je vais mettre l'hymne national. Merci à la personne.
C'était à la demande d'un follower et puis j'ai trouvé que l'idée est bonne hein, parce que ça concerne le Cameroun. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux Lolomania, bonsoir aux sympathisants, bonsoir à tous ceux qui ont l'habitude de me suivre. Merci d'être connectés, vous êtes aussi nombreux. J'ai fait ces petits directs pour éclaircir, hein, pour donner ma version des faits. Pendant mon court séjour au Cameroun pour la CAN 2021. Avant de commencer ce direct, je tiens à présenter mes excuses à tout le peuple camerounais. Je présente mes excuses à tout le peuple camerounais, également au gouvernement camerounais, pour l'image que nous avons donnée au Mont Phébé lors de notre séjour. Je présente vraiment mes excuses. C'est pas dit. Nous avons fauté. Nous avons fait des choses qui n'étaient pas bien. C'est la raison pour laquelle je présente mes excuses à tout le peuple camerounais. Mes excuses. Mes excuses aussi au gouvernement. Parce que nous avons... Après toutes les vidéos que j'ai vues, il faut reconnaître que mes collègues ont merdé. Ces images et ces vidéos n'étaient pas bonnes. Mais comme nous sommes venus en groupe, c'est la raison pour laquelle je présente mes excuses. On va aller dans le vif du sujet. Vraiment encore mes excuses, mes frères et sœurs. Vous n'allez pas nous jeter ce que nous avons fait. Nous sommes vos frères, nous sommes vos sœurs. Nul n'est parfait dans la vie. Peut-être c'est les émotions, peut-être nous n'étions pas à la hauteur de ce que vous attendiez de nous. C'est la raison pour laquelle je présente encore mes excuses. C'était plus fort que nous. Très fort. Moi-même, je n'en reviens pas. Quand je regarde toutes ces vidéos, j'ai honte. J'ai honte de moi. J'ai honte. De tout ce qui s'est passé. J'ai honte parce que je n'ai pas été à la hauteur. Nous n'avons pas été à la hauteur. Ce que j'avais prévu, ce n'est pas ce qui s'est passé. J'avais prévu autre chose. J'avais prévu autre chose. Excusez-moi, je suis un peu... Je présente aussi mes excuses à l'hôtel Mont Phébé pour la jeune occasion. Et je profite aussi pour remercier le personnel de cet hôtel. J'ai beaucoup aimé cet endroit, le Mont Phébé. Je n'étais jamais allée au Mont Phébé, c'était ma première fois. J'ai beaucoup aimé. Le personnel très accueillant, très gentil, un hôtel très calme et bien situé. Peut-être pour des vacances au Cameroun, c'est pas donné, mais c'était un très bel endroit. Je remercie vraiment, c'est le personnel du Mont Phébé. Je m'excuse aussi pour tout ce qui s'est passé dans cet hôtel-là, pendant notre séjour. Oh, les messages. Les messages, les messages, les messages, les messages. Bon. Je vais vous raconter comment l'histoire s'est passée. Il y a quelques mois,
j'ai reçu un appel d'Aline Benzoum. Parce qu'avant, on s'entendait très bien. Et au mois d'août, quand j'ai eu des difficultés au Cameroun, j'ai eu son appel, elle m'a encouragé et puis voilà, c'était passé. Je crois au mois de novembre, j'ai eu un appel d'Aline. Elle m'a dit qu'il y avait une personne dont je vais taire le nom, qui comptait nous aider sur un projet. Et j'ai dit à Aline qu'il n'y a pas de problème. Elle m'a donné les noms des personnes qu'elle avait choisies. Elle a cité les noms. Elle m'a dit, telle personne, tu ne t'entends pas avec telle personne, tu ne t'entends pas avec telle personne. Est-ce que ça te gêne que cette personne soit dans le groupe? J'ai dit non. Du moment où ça va nous aider toutes, pourquoi, si on ne s'entend pas, chacune est de son côté, et puis on va je suis partante pour le projet parce que c'est un très bon projet. La personne comptait nous aider. Il n'y avait pas une histoire de canne. Alors elle a dit, la personne va nous appeler à 18h. Il faut être devant ton téléphone pour répondre à l'appel. J'ai dit d'accord. C'était au mois de novembre. À 18h comme prévu, la personne m'a appelé, Aline m'a appelé. Elle a fait une conférence d'appel. Pendant qu'on parlait, je me suis présenté. J'ai dit, je suis Lolo Fodia. Je suis une blogueuse camerounaise. J'ai une page Facebook appelée à cœur ouvert. Et voilà, elle m'a demandé, qu'est-ce que tu comptes faire dans la vie? Qu'est-ce que tu as comme projet? J'ai expliqué que moi, j'aime trop la mode. J'aimerais bien investir dans la mode. Peut-être avoir un truc en ligne, vendre des vêtements en ligne. Elle m'a dit, c'est tout. J'ai dit oui. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Je verrai ce que je peux faire pour vous. Nous avons planifié. On a mis un plan en place. Elle a dit, au mois de décembre, voilà ce qu'on va faire en décembre. Et puis, après décembre, je verrai ce que je vais faire pour vous aider sur votre projet. Et il y avait une autre fille, que je n'ai même pas envie de citer son nom, parce que pour moi, cette personne n'existe plus. Et elle a aussi appelé l'autre fille, elle a suggéré ce qu'elle avait, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et pendant qu'on parlait, j'ai dit à la personne qui nous a invités que je serai au Cameroun au mois de janvier. Parce que, comme je suis blogueuse, je vais au Cameroun pour participer à la CAN, quoi. Parce que c'est un grand événement. Et moi, j'aime trop le football. Et c'est mon pays qui accueille cet événement. Pour moi, c'est après 50 ans, c'était la première Coupe d'Afrique au Cameroun. Je n'étais pas encore née. Bien sûr que les gens me donnent un certain âge que je ne me reconnais pas dans ça. Je n'étais pas encore née. Et aujourd'hui, voilà, c'est un grand événement que j'ai toujours vu dans les pays d'ailleurs, à travers la télévision. Aujourd'hui, j'ai des abonnés, j'ai des gens qui me suivent dans les réseaux sociaux. Pour moi, je vais offrir ça à mes abonnés, de vivre la CAN à travers ma page. Donc, j'ai ce projet. Je vais au Cameroun au mois de janvier. J'ai déjà réservé mon appartement. Je vais vous montrer la réservation de mon appartement. Je peux même poster ça sur ma page. C'est la résidence Masso. C'est la dernière fois que j'étais au Cameroun, c'est là-bas où j'ai logé. J'avais déjà réservé mon appartement. J'ai la facture d'ici. La facture qui est là. La réservation de mon appartement qui était déjà faite. Déjà payé. Hein. Déjà payé. Tout était déjà payé. Résidence Masso, c'est. Ça se trouve à l'hôtel du plateau, à Issos. Donc j'ai dit à la dame que j'avais, la personne que j'avais déjà réservé mon appartement et j'attendais pour le billet d'avion. C'est ce que je veux, si elle peut m'offrir un badge pour avoir accès au stade, que j'ai besoin du badge. Elle m'a dit non pour la personne m'a dit non pour le badge, ce n'est pas un problème. Je vais te trouver un badge. Le moment venu, je vais parler avec Aline et elle va entrer, elle va t'envoyer le badge. Quelques semaines après, Aline m'appelle au téléphone. Elle me dit, l'histoire des cannes que tu avais parlé à la personne, elle m'a dit qu'elle compte nous inviter. Parce qu'elle a vu que tu tenais vraiment à cœur l'histoire de la canne. Elle compte nous inviter pour participer à cette canne, que tu n'y vas pas seul, que nous irons ensemble.
J'ai dit, bon, c'est une bonne chose, c'est pas grave. Et j'ai fait quoi? Elle m'a dit, même le logement, elle va nous loger, la personne va nous loger, la personne va s'occuper de nos billets d'avion. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Parce que là, j'ai déjà réservé mon appartement à Massot. J'ai fait comment? Elle m'a dit, non, tu peux récupérer ton argent. Mais comme je suis quelqu'un qui est très prévisible, je n'ai pas récupéré. Je n'ai pas, j'ai dit, j'ai eu, j'étais pas trop sûr. J'avais des doutes. J'ai dit, non, je peux pas prendre cet argent. Au Carrefour lycée bilingue, merci Lydia Naman. Au Carrefour lycée bilingue. Le résidence Massot, je vais mettre ma réservation d'hôtel, hein, la réservation de mon appartement sur ma page quand j'aurai fini le direct. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Plus j'ai à réserver l'appartement, j'ai fait comment? Je peux pas aller, mais comme j'avais des doutes, j'étais pas trop sûr, j'hésitais trop. J'ai dit, bon, je vais quand même laisser cette réservation là, on ne sait jamais, je laisse parce que moi j'ai beaucoup aimé cet endroit quand j'étais au Cameroun la dernière fois. C'est un endroit très propre, résidence Massot, comme on dit au lycée bilingue. Très très propre, bien. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas? Je laisse d'abord cet appartement parce qu'au départ, c'est moi qui parle de la canne. Et je vois quelqu'un me dire que je m'occupe de tout. J'ai un peu de doute. Je n'ai pas annulé ma réservation à l'hôtel parce qu'elle était déjà payée. J'ai dit, bon, au cas où j'ai demandé à la personne qui allait réserver, est-ce qu'on peut récupérer l'argent? La personne m'a dit, oui, tu peux récupérer. J'ai dit, bon, c'est comme un argent gardé, je laisse ça là-bas. Alors, nous avons passé le mois de décembre, au mois de. Peut-être fin décembre comme ça, début janvier. Aline me recontacte, elle me dit c'est bon, l'hôtel est déjà réservé. J'ai dit, ah bon, l'hôtel est réservé? Elle me dit oui, l'hôtel est réservé. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as comme preuve? Elle me dit non, l'hôtel est réservé, ne te dérange pas, nous serons logés au Mont Faible. J'ai dit, waouh, c'est une très bonne chose. Et je suis très très contente, voilà. Si c'est l'hôtel est réservé, ça va. J'ai toujours mon appartement était là. Le voyage était prévu le 6 janvier. Et Aline m'a envoyé le papier, un truc me dit que nous, on partait le 6 avec Air France en première classe. J'étais très contente. Sans vous mentir, j'étais très contente. Très, très contente. Et le 5 janvier, Aline me dit, elle va à l'ambassade récupérer nos billets d'avion. Entre-temps, le 4 janvier, je commence à avoir peur. J'appelle Aline, je dis, Aline, je t'avais dit que j'avais déjà mon projet pour la canne. Nous sommes le 4, il n'y a pas de billets d'avion. Moi, je suis un peu déçu parce que j'avais déjà... Aline me dit, non, rassure-toi, ça va aller, tu as billets d'avion. Je dis, mais nous sommes à 2 jours là. Dans quelques jours, le 6... Et puis le 7, le 8, le 9, il y aura l'ouverture de la canne. Moi, je fais comment? Elle me dit, Lolo, je suis là. Ne tremble pas. Reste calme, je m'occupe de tout. Bon, j'ai paniqué parce qu'il y avait 2 personnes qui m'offraient le billet d'avion. J'ai ma fille, une malienne qui m'aime beaucoup, qui m'apprécie. Elle a l'habitude de m'aider. Dans la panique, puis j'ai aussi un ami qui est au Cameroun, qui m'avait promis le billet. Je l'avais dit non, laisse tomber parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va m'offrir le billet. Je ne vais pas me retrouver avec 2 billets à la fois. Donc, je préfère que tu laisses le billet là. Quand je serai peut-être au Cameroun, tu vas me donner cet argent pour faire l'ambiance avec ou peut-être pour aider quelqu'un dans la famille. J'ai appelé ma fille du Mali. J'ai expliqué à ma fille du Mali que voilà, j'avais mon projet pour la canne, mais la personne qui devait nous offrir les billets, nous sommes le 4, je n'ai pas encore eu le billet d'avion. Elle me dit, le billet d'avion coûte combien? Il va regarder. J'ai dit, ok, je vais sur Air France. Je vais regarder combien coûte le billet d'avion pour samedi. Parce que l'ouverture de la canne, c'est le dimanche. Je suis allé sur Air France. Moi, je parle pas, je suis pas là pour mentir. Je suis allé sur Air France. J'ai regardé les prix du billet d'avion pour le samedi. Et j'ai retrouvé ça. Ça, c'est ma conversation avec ma fille du Mali. Je ne vais pas vous montrer son numéro. Hein. Elle écrit, le billet d'avion est très cher. Je dis, elle dit, comme l'ouverture, c'est le 9 janvier, on aurait pu prendre le billet en avance. C'est 1600 euros. Voici le billet d'avion. 1600 euros. Elle me répond en bas, ok, mon comptable va t'envoyer 1600 euros demain par Western Union. J'envoie mon... Bon, comme elle a déjà mon nom. Le 5, elle m'appelle, elle me dit, le comptable a envoyé l'argent.
Elle m'a envoyé le truc de monogramme qui voici ici. Je ne vais pas mentir. Bonjour. Voilà ça. Bonjour, tata. Il y a un peu de retard, mais réglé. Voici les codes de Western Union. Voilà, 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 voilà. La personne qui a envoyé, voilà le nom. Et tout, tout, tout. Voilà, c'est un bon séjour. C'est écrit là. Le 5. Elle m'envoie 1 million de francs pour prendre mon billet d'avion à Air France. Elle m'envoie ça, elle m'envoie le message, il était 17h. Entre-temps, Ali m'appelle le matin, elle me dit qu'elle va à l'ambassade. Parce qu'à la veille, elle a rangé ses choses, elle a tout arrangé avec nous. Elle m'a appelé en vidéo, elle m'a montré comment elle a rangé son sac et tout. Alors Ali me dit, je dis, mais moi j'étais déjà rassuré que j'avais déjà une personne qui devait me payer mon billet pour... Alors, avec ou sans Aline, je serais allé au Cameroun. Avec ou sans Aline, je serais allé au Cameroun. Mais Aline était très confiante dans son truc avec la personne qui est traitée. Le 6, le 5, Aline arrive sur Paris. Elle va à l'ambassade. Avec le... Elle va rencontrer le père secteur de l'ambassade, M. Ketchanke. Elle arrive à l'ambassade. C'est là où vous avez vu, elle a rencontré Flore, que je vais remercier ici en passant. Merci beaucoup, Flore, parce que tu as été là depuis le début de mon aventure, de mon voyage, pendant mon séjour au Cameroun. Tu m'as toujours soutenu, tu m'as toujours apporté tes conseils. Merci beaucoup, parce que ça m'a aidé. Elles sont arrivées à l'ambassade. Elles sont allées rencontrer M. Ketchanke. Le monsieur a dit non. Les caisses de l'État, de l'ambassade sont vides. Je n'ai reçu aucune instruction pour vous donner de l'argent ou pour vous donner des billets d'avion. Sortez de mon bureau. Je ne peux pas sortir de l'argent pour les billets d'avion. Je n'ai reçu aucune consigne. Monsieur Ketchankadi n'a reçu aucune consigne. Dans l'histoire des billets d'avion, il n'a pas d'argent pour donner... Qu'on achète des billets d'avion, il n'y a pas de billets d'avion pour donner à qui que ce soit. Aline est ressortie de l'ambassade. Moi, je n'étais pas là. Elle est ressortie de l'ambassade. Je l'ai appelée. Elle m'a dit, mais les billets sont où? Elle m'a dit non. Après, je me suis dit, bon, je ne l'appelle même plus. Bon, moi, demain, le 6, je vais acheter mon billet pour le samedi. À 19h45, Aline m'appelle. Elle me dit, j'ai les billets. J'ai dit, le voyage, c'est pour quand? Elle me dit, demain. J'ai dit, mon Dieu. Comment le voyage c'est pour demain? J'ai dit, Aline, c'est trop juste. Je n'ai même pas arrangé mes affaires. Je n'ai pas fait mes ongles. Je n'ai pas fait la manucure. Mes ongles sont bizarres. Je ne peux pas rentrer au Cameroun avec des ongles bizarres comme ça. Je ne peux pas. C'est trop, trop juste. Elle me dit, ok, si tu ne peux pas aller au Cameroun, viens à l'aéroport demain à 7h ou 8h. Tu changes ton billet. Parce que si tu ne peux pas aller, moi, je ne te force pas. Mais les billets sont là. Elle dit, mais où sont les billets? Elle me dit, ok, je te les envoie. Elle m'a envoyé mon billet. J'ai regardé, j'ai vu que c'était le billet. J'ai dit, Aline, comment je ne peux pas voyager? Je peux faire partie samedi. Je ne peux pas parce que c'est trop juste. Moi, dans ma tête, c'était déjà que samedi, je pars. Je n'avais plus l'idée les histoires du jeudi. C'est trop juste, je ne peux pas. Je n'ai pas fait mes ongles, je n'ai rien fait du tout, rien, rien, rien. Je ne peux pas le faire. Donc, je ne peux pas faire les ongles. Je n'ai rien. Je n'ai rien préparé. J'ai mes colis, mes vêtements que j'avais commandés sur Internet. Ça devait arriver le vendredi. Et parti jeudi, laisser mes vêtements derrière moi, mes tennis, les trucs que j'avais préparés pour souvent aller au stade. Je ne peux pas me retrouver en train de partir au Cameroun comme ça, comme un bébé. Alors, elle me dit, bon, moi, j'ai qu'une seule solution. Tu viens à l'aéroport le samedi, demain, tu renvoies ton vol. Je n'ai pas de problème, mais tu vas me retrouver au Cameroun, je vais arranger tout ça. Parce qu'elle a été compréhensive sur ce coup-là, je ne vais pas mentir sur Aline. J'ai dit, ok, t'es allé, j'ai compris. Parce qu'à l'heure, s'il est 19h45, il faut faire le test du Covid. Et le test du Covid, avec lequel on voyage, on ne fait pas ça en pharmacie. On fait ça au laboratoire. Elle m'a dit non, j'ai dit non. Aline, moi j'ai l'habitude, j'étais au Cameroun la dernière fois, j'ai fait le test au laboratoire. C'est qu'on fait en pharmacie, c'est pas la même chose. C'est le test PCR qu'il faut pour un voyage. Elle m'a dit non, j'ai dit ouais, je suis allé à la pharmacie, j'ai fait le test. Pendant que je vais faire, Flore m'a appelé. J'ai dit à Flore, écoute-moi, le voyage, je ne pars plus le samedi parce qu'avec l'histoire de ce voyage, il y a déjà les problèmes, les clashs. Je ne vois pas comment on voyage ensemble, mais.
On s'insulte, il y a des gens qui font les directs pour m'insulter, pour me promettre des trucs au Cameroun. Je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Donc moi, j'ai plus envie de voyager avec ces personnes-là. Si c'était à l'île seule, je peux me sacrifier. Mais avec cette personne-là, je ne veux plus. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Je préfère faire mon voyage seul samedi. Flo m'a dit non, Lolo. Quand c'est comme ça, on vous a invité en groupe. Tu dois être dans le vol avec ces gens-là. Parce qu'on ne sait jamais. C'est manquer le respect à la personne qui vous a invité. Et demain, tu pars. Je vais te donner l'adresse d'un endroit où tu peux faire les ongles à Bastos. C'est là-bas où j'ai fait mes ongles. J'ai dit, ouais, Flo, je ne peux pas. Elle m'a convaincu que non, il ne faut pas faire ça. Ne sois pas, tu es trop, parfois trop timide. Pas, il ne faut pas qu'on t'effraie. Même si on dit quoi, n'aie pas peur. Vas-y. Viens, elle va faire, ok. Je vais voir, je suis allé à la pharmacie, j'ai fait le test. J'ai aussi appelé Julien Zombi, la reine mère de Lomania. Elle a dit la même chose que Flore. Et j'ai appelé ma petite soeur, qui m'a aussi rêvé, Miaï, qui m'a dit la même chose. Papa Foula m'a aussi dit la même chose. J'ai dit bon. Tout le monde m'a dit la même chose. Je suis allé avec chez ma fille Michela. J'ai arrangé mes vêtements, vite fait, comme je venais de Reims. J'ai arrangé comme je pouvais, j'ai balancé tous les trucs dans la valise. Le matin, j'ai pris le taxi, je suis arrivé à l'aéroport. J'ai trouvé Aline qui était déjà là. Nous avons enregistré nos bagages. Et après, j'ai dit à Aline que je peux faire que ce voyage soit... il faut qu'on supprime les gens. Il faut pas qu'on lance les directs à l'aéroport. On ne doit pas faire des directs à l'aéroport. C'est quand nous allons arriver au Cameroun qu'on peut partager ces directs-là sur nos pages. Parce qu'il faut vraiment que... mettons le suspense dans la tête des gens, quoi. Il ne faut pas qu'on lance les directs. Parce que si on lance les directs, ça sera pas... Donc, laissons les gens penser ce qu'ils veulent penser. Donc, ils vont souvent nous trouver qu'on est déjà au niveau au Cameroun, à l'hôtel. Et elle m'a dit, oui, tu as raison. Quelques minutes après, quand on allait enregistrer nos bagages pour aller dans l'avion, j'ai été au téléphone... J'ai regardé Aline, elle m'a lancé. Elle a dit, Lolo, regarde ici. J'ai dit, c'est le direct ou c'est la vidéo? Elle m'a dit, je suis en direct. Bon, vous connaissez Tata Aline, elle aime bien. Je l'appelle plus Tata Aline, parce qu'elle m'a dit, n'est plus l'appeler Tata Aline. Donc, je l'appelle Aline. Elle m'a dit, bon, voilà, tu aimes bien le show. J'ai dit, Aline, tu aimes bien le show. Je suis entré dans le game. J'ai commencé aussi à faire, oui, dit, bon. Désolé, elle a déjà lancé le direct. Ça va faire un peu bizarre. Moi, j'étais pas trop dans le truc. Parce que je voulais vraiment que la surprise. Que voilà, il n'y aura plus de surprise dans cette histoire. Bon, bref, c'est pas grave. Aline, elle aime bien le show. On va l'accompagner dans son show. Nous sommes entrés dans l'avion. On avons que la connexion Wi-Fi de l'aéroport. Je suis dans mon siège parce qu'on a trouvé deux. Normalement, j'étais assise avec Serge Aurier et son coéquipier était assis avec celle qui était avec moi. Et on a changé, nous avons changé de place parce qu'il voulait être avec son coéquipier et moi, je devais être aussi avec celle avec qui on voyageait. Dans l'avion, je prends mon téléphone, je regarde, je sais pas ce que je regardais sur eux. On m'a dit qu'il y avait une blogueuse qui était en direct, qui était en train de nous clasher. Bon, curieuse, j'ai tapé mon téléphone pour regarder, pour un peu écouter ce que la blogueuse l'a dit de nous. J'ai trouvé qu'il y avait les gens qui étaient en ligne en train de dire « Oh, elles n'ont pas été invitées par le gouvernement, nanani, nanana, beaucoup de choses. » Bon, moi, j'ai zappé ça. Je regarde sur la page d'une certaine dame, Matt. Je vois qu'il y a le papier qui circule sur la toile là. Je regarde ma voisine, celle qui était à côté de moi, avec qui on faisait le voyage. Je demande qui a partagé ce papier sur Facebook. Qui a donné ce papier à cette dame? Parce que ce papier, ce document qui a été partagé, c'est très dangereux. Je ne sais pas si c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre. Parce que ce papier-là, est-ce que vous avez eu l'argent à l'ambassade pour acheter le billet d'avion? Parce que ce papier, ça va nous causer des problèmes. Sûrement, c'est toi qui as filé ce papier à la dame. Elle m'a dit non. Dans son regard, j'ai senti qu'il y avait le mensonge. J'ai dit, je ne peux pas te croire, c'est faux. C'est toi qui as sûrement filé ce papier. Parce que le papier, quand ça va prendre les réseaux sociaux, tu vas voir, vous allez voir ce qui va se passer. Normalement, ce papier, s'il ne devait pas sortir, parce qu'il y a des signatures des autorités, c'est très dangereux. Elle m'a dit non, tu as trop peur. Dis donc, tu me parles de quoi? Bon,
Je me suis calmé, je n'ai rien dit. On a fait le voyage. Nous sommes arrivés à Yaoundé. À l'aéroport, j'étais la dernière à sortir de l'aéroport. Quand je sors, je trouve qu'elles sont parties. Je me retrouve à l'aéroport de Simalène, toute seule, avec mes bagages. Il n'y a personne. Elles sont déjà parties à l'hôtel Montfébé. Il y a une dame qui nous accompagnait. La dame me demande, je demande à la dame, mais où sont mes soeurs? Elle me dit, elles sont parties. Je dis, mais comment elles sont parties, elles m'ont laissé? Bon, chance pour moi, il y a les journalistes que Aline avait invités pour filmer notre arrivée au Cameroun. Et il y a un des journalistes que je connais qui me dit, mais Aline est où? J'ai dit, Aline est déjà partie à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai eu un peu peur. J'ai dit au journaliste, qu'est-ce que tu peux m'accompagner dans mon appartement? Parce que on peut arriver au Montfébé, c'est une fausse histoire. Peut-être c'est l'histoire de Montfébé, j'ai un peu des doutes. Je ne sais pas si je vais arriver là-bas, on va dire qu'il n'y a pas les chambres, ou j'aurai honte avec mes bagages, je vais dire que ben, je vais aller où. Je n'aime pas les histoires, je n'aime pas avoir honte, je n'aime pas ça. Je suis une personne qui est timide à la base. Je suis seule, elles sont déjà parties. Hein. Elles m'ont laissé à l'aéroport, seule. Et pourtant, on a fait le voyage ensemble. Il était dit que si nous arrivons au Cameroun, il y a des gens qui vont nous attendre à l'aéroport. Nous allons à l'aéroport. Hein. Nous irons ensemble à l'hôtel. À ma grande surprise, je sors, je suis là comme ça, debout. Avec mes grosses valises. Comme j'avais deux grosses valises. J'ai dit, mais elles sont où? Elles m'ont laissé. La dame me dit, non, elles sont parties. J'ai dit, elles sont parties toutes les deux. Elle me dit, oui. J'ai dit, mais j'ai fait comment alors? Bon, quand le journaliste est venu vers moi parce qu'il me connaît, il m'a dit, ben, Aline est où? Je dis, Aline est partie. Il me dit, comment est-elle? Elle est partie, t'ont laissé seule. Je dis, bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Il m'a dit, bon, nous sommes en voiture. C'est qu'on va faire, on va pas te débrouiller dans ton appartement. Quand vous êtes venu en équipe, si elles t'ont dit qu'elles sont au Montfébé, nous, on va au Montfébé ensemble. Arrivé au Montfébé, tu vas laisser tes bagages, tes tuyaux dans la voiture. Si tu arrives à la réception, qu'il n'y a personne, là, on va reprendre la direction de ton appartement. Nous sommes arrivés au Montfébé. Ils étaient trois. Et à travers la porte du Montfébé, j'ai vu qu'Aline était à la réception. Bon, j'ai décidé de sortir mes valises. Nous arrivons à la réception. Aline a déjà enregistré. Je demande la deuxième personne est où. Elle me dit qu'elle est déjà dans sa chambre. Elle dit, ah. Donc elle a déjà enregistré, elle est déjà dans sa chambre. Elle dit, oui, elle est dans sa chambre. Moi, je suis allé, on m'a donné mes clés. On a fait des interviews là devant l'hôtel. C'était bien. Aline qui a commencé à mettre l'ambiance, elle a mis l'ambiance, on a rigolé. Et puis j'ai regagné ma chambre. Je suis allé sur Facebook, j'ai fait un tour dans les réseaux sociaux. J'ai vu que le document était partout dans les réseaux sociaux. Partout. J'ai pris peur. Je peux pas vous mentir que tout mon séjour au Montfébé, j'étais dans la peur à cause de ces documents-là. Parce que je savais, j'avais l'idée de ce qui devait se passer. Parce que je suis une blogueuse, il y a des choses que nous dénonçons. Quand tu vois les réseaux sociaux, tu vas dénoncer. J'ai dit, ce que j'ai l'habitude de dénoncer, c'est arrivé sur moi aujourd'hui. C'est à mon tour de m'expliquer par rapport à ce papier-là. Parce que mon nom figure sur ce document. Un document qui n'était pas censé, je ne sais pas si c'est un vrai document. Je ne peux pas certifier parce que moi, je ne l'avais pas. Je n'ai jamais eu ce document-là. Comment ça s'est retrouvé dans les réseaux sociaux? Et j'ai accusé une seule personne. Parce que je sais que cette personne-là, parfois, elle ne réfléchit pas. Parce que je ne sais pas si Aline avait ce document. Je ne sais pas. Mais cette personne-là, je suis sûre et certaine que cette personne, parce que j'ai vu ça chez Matt. Et Matt a un peu des liens avec cette personne. J'ai dit, voilà, le pied arrivé. Dans les réseaux sociaux, on nous appelait les blogueuses d'État, les Waka. Je ne veux pas aller dans les... parce que j'ai peur qu'on signale mon direct. Les Waka d'État, elles vont aller écarter là-bas les escortes de telle personne. J'étais très choquée parce que j'avais déjà programmé mon voyage pour la CAN. Je me retrouve dans la merde à cause, je ne sais pas, à cause d'un document où mon nom figure à l'intérieur.
Les gens me traitent de tous les noms. Les gens me traitent de waka. Les gens me traitent de chou. Moi, je vais aller écarter. Je suis un monsieur, une personnalité, quelqu'un qui représente le gouvernement camerounais. J'étais choqué. Je n'ai jamais eu affaire avec ces personnes-là. De près ou de loin. Je ne connais pas ces gens. Je ne les connais pas. Je n'ai jamais eu à traiter avec une personne du gouvernement. Comment se fait-il qu'on me... On colle mon nom à cette personne. J'ai eu peur. Moi, je suis une fille, je suis orpheline. Hein. Je n'ai ni père, ni mère. Ne me voyez pas souvent crier sur la toile, mais j'ai peur. J'ai peur de ma vie. Parce qu'il y a des enfants qui comptent pour moi. Il y a mes deux petits frères que ma mère m'a laissés avant de mourir. Et ces enfants-là comptent sur moi. Mes neveux comptent sur moi. Il y a des choses que je fais, je ne fais pas du n'importe quoi parce que je sais que j'ai du monde. J'ai ma mère, la puissance de ma mère qui est encore vivante. J'ai mes petites cousines, j'ai mes nièces, même si je ne leur donne rien. Ces enfants ont beaucoup d'amour pour moi. Alors quand je me retrouve dans des situations comme ça, j'ai eu peur. Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu peur. Parce que ça a pris des réseaux sociaux. Il y avait tout ce qu'on a dit sur nous. Les waka, les ceci, les cela. Elles sont venues pour traiter les joueurs. Attends. Nous étions dans l'hôtel, il y avait les Marocains. Il y a les Marocains versés dans les routes en France. Qu'est-ce qu'il va aller chercher chez un Marocain? Qu'est-ce qu'il va aller chercher chez un Marocain? Qu'est-ce qu'il va aller faire avec les Marocains? Qu'est-ce qu'il va aller faire? Moi, je suis venu là comme ça, sans arrière-pensée. Moi, je venais pour vivre ma canne parce que j'avais déjà ce programme-là depuis le mois d'août. Depuis qu'on a annoncé qu'il y aura la canne au Cameroun, j'avais déjà le programme que j'irai au Cameroun. La preuve, allez, je vous ai montré ma réservation d'hôtel et mon billet d'avion. Tout est... Et c'est moi qui parle de la canne à cette personne qui nous a invités. Parce que cette personne, quand Aline vient vers nous, Aline ne vient pas avec le projet de la canne. Aline vient avec un autre projet. Ça n'a rien à voir avec la canne. C'est moi, pendant la discussion avec la dame, que je mêle, je parle l'histoire de la CAN. Je dis, au fait, je serai même au Cameroun au mois de janvier pour la CAN. J'aimerais bien avoir un badge pour avoir accès au stade, pour filmer même les joueurs dans les entraînements, pour faire vivre cet événement à mes followers. La dame dit, oui, je vais t'offrir un badge le moment venu. Ce n'est pas une histoire qu'on nous a invité par le gouvernement camerounais, non. C'est moi qui mets cette idée dans la tête de cette dame-là. J'en parle à Aline. Aline me dit que c'est très bien. Quand elle sera avec nous en ligne, parle de ce problème-là. Elle va te trouver un badge. C'est comme ça. Il n'y avait pas une histoire que la dame nous a invité pour la canne. Non, c'est moi, Lolo, qui mets cette histoire de canne dans la tête de cette dame-là. Parce que j'avais... Vraiment, elles m'ont enlevé... Ces gens-là m'ont enlevé un rêve. Vraiment, je voulais vraiment vivre la canne parce que je... Pour moi, c'est quelque chose... J'ai très mal quand je n'arrivais même pas avec tout ce que j'ai vécu là au Cameroun. Je suis très choquée. Parce qu'avec Aline ou sans Aline, je serai au Cameroun en ce moment-ci. Tout était déjà arrangé. J'avais déjà tout arrangé. Mon appartement était déjà là. Tout était déjà là. Il n'y a que le billet d'avion que je n'avais pas encore pris. Mais je devais prendre mon billet d'avion parce que le mois de janvier, les billets d'avion sont moins chers. Mon ami... devait m'offrir un pote à moi que j'ai rencontré, que j'ai connu derrière quelqu'un, s'était porté garant de me prendre le billet. Et je vois, je me retrouve maintenant dans une histoire où on parle des membres du gouvernement, j'écoute les voices, les femmes qui font les directs, une bamileke, les trucs comme ça. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Je vais vers Ali, j'ai dit, comment? Je sens la fessie, je ne me sens pas à l'aise. Regarde, va seulement sur les réseaux. Elle me dit que vous connaissez Tata Ali, non. Elle est toujours dans cette affaire de comédie. Elle dit donc, Lolo, tu es trop peureuse. Dis donc, laisse ça. Est-ce qu'ils vont parler de nous? Ça va passer. J'ai dit, ouais, Ali, avec la pression, si tu es sûr que la personne qui nous a invité, elle ne va pas nous la. Elle dit que laisse. Lolo, je contrôle la situation. Le lendemain, je ne l'ai pas supporté. Vous connaissez, je suis très impulsive. Quand j'ai vu sur la page de Boris, je ne vais pas finir. Boris, comme vous connaissez là, Boris là, papa Kongosa là, qui est partout dans la vie des gens dans les réseaux sociaux. Il a déjà quitté les affaires de politique, il s'est retrouvé les affaires de Kongosa. Alors c'est comme ça que je quitte, j'arrive dans le direct de je vois sur le truc de Boris.
Je trouve qu'il a fait une post sur nous avec nos photos, les commentaires. Ça m'a fait mal. J'ai eu mal. Je n'ai pas pu supporter. Je n'ai pas pu supporter. Le lendemain, j'ai lancé un direct où j'étais habillée en rouge. Robe rouge. Dans la colère, je parle. Vous me connaissez. Je crie quand je parle. J'aboie quand je parle. J'aboie quand je parle. Donc j'ai commencé, j'étais tellement en colère parce qu'on m'accusait de quelque chose qui est faux. C'est faux ce qu'ils ont raconté. Ce n'est pas comme ça s'est passé. Mais vous inventez des choses pour me coller à une personnalité que je vois à travers la télé. Quelqu'un que je ne connais, avec qui je n'ai même jamais changé, même discuté. Même la personne qui nous amène, je n'ai jamais discuté avec elle. Tout se passe. C'est Aline qui est l'intermédiaire. Je n'ai jamais. Donc ça veut dire qu'on m'a porté comme un enfant, comme ça, on m'a déposé au Cameroun. C'est tout. Je ne connais pas, je n'ai le contact avec personne de ces gens-là. La seule personne avec qui j'ai le contact, c'est Aline. Comment vous m'attribuez les goûts, les noms? Tu sais, quand tu as affaire avec un gouvernement, tu n'as pas affaire avec une personne particulière. Avec un gouvernement, c'est très dangereux. Avec un gouvernement, c'est très dangereux. Je dis que, mais quand il y a une affaire, et les gens qui appelaient de partout, les voix, les gens qui écrivaient, je dis, aïe, tout mettre, je tremblais, j'avais peur. J'ai dit non, comme il allait être ainsi, moi je vais lancer un direct pour me défendre. Je vais lancer un direct pour me défendre. Donc c'est comme ça que je lance le direct, je suis habillée en rouge. Je parle, je crie, j'aboie. Et mes cris et mes cris et aboiements, ça a interpellé pas parce que les gens racontent, ce jour-là, il n'y avait même pas les joueurs, il n'y avait pas les joueurs dans l'hôtel. Il n'y avait pas les joueurs. Parce que ma chambre d'hôtel, la fenêtre était ouverte. Et en face, il y a les gardiens qui sont en face et les militaires. Donc ils ont entendu ma voix. C'est le gardien de l'hôtel qui est venu cogner. C'était en direct. Moi, vous étiez là. Quand les gens disent qu'il y avait le bruit dans ma chambre d'hôtel, c'est quand j'ai le mensonge. C'est un mensonge qui n'a pas de nom. C'est que ce jour, vous étiez en direct avec moi ce jour-là. Le jour que quand je parlais en habit rouge, avec une robe rouge, là, vous étiez en direct avec moi. Je criais comme j'aboie. Moi, j'aboie. Moi, j'aboie. J'aboyais. Parce que j'étais en colère. Parce que les gens mentaient sur moi. C'est comme ça que les gardiens de l'hôtel, ils ont entendu mon voix. Ils étaient à quel estime, aux alentours de 15 heures, comme ça, 15 heures, 16 heures. Alors, c'est comme ça que le gardien, comme ma chambre, la porte, la fenêtre de ma chambre était ouverte, ils ont entendu le bruit, il est venu, il a cogné, il m'a dit, Madame, parlez moins fort, vous étiez en direct avec moi ce jour. Alors, c'est comme ça que je ne parlais plus. J'ai commencé à parler doucement. Et j'ai fini mon direct. Je n'ai plus rien dit. Je n'ai plus rien dit. De temps en temps, j'allais voir mes collègues, les personnes avec qui je suis arrivé au mon Phoebe. J'essaie d'interpeller ces personnes-là pour leur dire que, gars, essayez de diminuer les directs. Parce que les directs, là, ça peut nous causer des problèmes plus tard. Parce que c'est trop de directs, trop de directs, trop de directs. Et il y a même certains directs que je ne voyais pas. Que j'ai vu parce que les gens m'ont envoyé ça dans mon WhatsApp. Il y a des directs que je ne voyais pas. Je ne voyais pas tous les directs qui se passaient en bas de l'hôtel. Les seuls directs où j'ai apparu dans ces directs, c'est quand Aline nous appelait. Aline disait que, il y a telle, telle personne. Il faut dire ceci, il faut dire cela dans le direct parce que ça vient de la personne qui nous a invités. Elle demande de dire telle, telle chose. Alors, on va en groupe et Aline, c'est la capitaine du groupe. Je dois suivre ses instructions. Je viens, je dis ce que j'ai à dire, je me retourne, je pars dans ma chambre. Elle m'a appelé deux fois. La première fois, c'était où j'étais habillée en ensemble noir. Elle m'a dit, tu es où? J'ai dit, je suis dans la chambre. Elle me dit, descends. Nous avons un direct à faire parce qu'on nous a demandé de dire telle, telle chose, telle, telle chose. Je suis venu, j'ai fait le direct. Je suis remonté dans ma chambre. La deuxième fois, elle m'a dit, redis encore, il faut faire tel, tel direct. J'ai fait le direct, je suis remonté dans ma chambre. Elles ont commencé à me dire, oh, tu ne t'habilles pas en deux pièces. J'ai dit, moi, je suis pudique. Moi, je suis quelqu'un qui a, j'ai très honte. Je ne peux pas me mettre en tenue deux pièces. Je n'ai plus cet âge. Je suis né à Kibi, j'ai grandi à Kibi, mais je ne sais pas nager. Je ne sais pas nager. Donc, les histoires de l'eau, moi, j'ai d'abord peur de l'eau. La piscine, j'ai un très mauvais souvenir. Parce que ma petite est morte en Espagne, noyée dans l'eau. De même, Luis, quand Luis part à la piscine, j'ai peur. Michela Pevga peut vous dire, quand Luis est en vacances chez elle, quand il m'a dit, mais que tata Lolo, on va à la piscine. J'ai dit non. N'a même pas mon enfant là. Parce que moi, j'ai peur que non, n'est pas parce que j'ai un très mauvais souvenir.
Remé Ninja qui était en Espagne, pour ceux qui connaissent l'Espagne, ma petite soeur est morte dans l'eau là-bas en Espagne. Donc c'est resté dans ma tête. Donc j'ai trop peur de dire que mais habillez-vous en deux pièces. Et ma chérie dit que moi, ce sont des trucs que je n'ai pas l'habitude de faire. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je n'ai pas été éduquée de cette manière-là. Chacun a son éducation. Moi, j'ai mon éducation à moi. Ne voyez pas Lolo qui crie sur Facebook. Lolo, dans la vraie vie, c'est une autre personne. Et Ali me dit souvent, mais tu es comme ça dans la vraie vie. Tu es timide, hein? Elle commence à rigoler, que mais Lolo, tu es timide. Pour ça, elle ne m'a pas dérangé, elle ne veut pas mentir. Tu es timide, tu es trop calme, tu n'aimes pas. Je dis, ah, Ali, c'est mon comportement. Je suis comme ça. Je vais changer. Donc, tout ce qui s'est passé à la piscine là-bas, les vidéos, machin, je n'étais pas au courant parce que je ne sortais pas. Je ne sortais pas de la chambre parce qu'à un moment donné, j'ai eu peur, vu l'ampleur que les choses ont. C'était devenu comme une affaire d'État. Parce que moi aussi, j'ai mes gens qui ont des relations aussi dans le gouvernement, qui m'écrivaient de temps en temps, m'envoyaient les directs, voilà, tête directe, les nudités des femmes, les trucs comme ça, les nudités qui sont allées sur les ministres, les trucs. Je n'étais plus à l'aise. J'avais peur. Je n'étais plus en moi. Je tremblais parfois. Il y avait des jours que je tremblais quand le téléphone de la chambre sonne pour aller même décrocher. J'ai peur que peut-être on va se dire que ramasser vos choses. Parce que j'ai d'abord honte. J'ai honte, j'avais peur. Tout le temps, j'allais dire à Aline que, ouais, Aline, on a dit dans Facebook, on va venir nous chasser ici. Elle dit que, ouais, Lolo, tu me fatigues avec ton histoire là. Laisse-moi un peu tranquille. Viens, on va s'amuser. Toi, tu es toujours comme ça. Je dis non, j'ai peur. Alors, parce qu'il y a une dame qui m'écrivait, elle me disait, Lolo, fais très attention. Fais très, très attention où tu es là. Si tu as même moyen de partir, pars avant. Parce que le pire arrive. Le pire arrive. C'est en train d'arriver. Voilà. J'ai essayé. Je ne vais pas vous mentir. Moi, parce que Aline, elle faisait son show. Mais elle n'était pas... J'ai essayé de parler à la personne avec qui j'ai l'habitude de parler. Parce qu'Aline, à la base, ce n'est pas mon amie. Il y a des choses que je ne peux pas dire à Aline. Parce que c'est une grande personne. Mais l'autre, je pouvais la maîtriser. Parce que quand je suis... Voilà. J'essaie d'aller parler avec la fille que non, ouais, ma, calme-toi. Il n'y a pas un âge pour réussir dans la vie. Même à 100 ans, tu peux trouver le bonheur. Dieu nous a porté, nous a mis ici. Cette personne qui nous a invités nous a promis beaucoup de choses. Après la canne, il y aura un suivi du projet. Si on commence à gâter ici, la personne ici nous fuit. Donc calme-toi. Ma, calme-toi. Limite les directs. Oui, j'ai compris. Oh, je n'ai pas compris. Le lendemain, c'est la même chose. Oh. Un soir, je dormais, j'étais dans ma chambre d'hôtel. J'ai une Lolo Maya qui vit aux États-Unis qui m'appelle et me dit « Tata Lolo, pourquoi tu ne restes jamais avec les autres ?» Parce que il y a un autre là qui vient de faire un direct. Elle a dit « Comment tu es tout dans ta chambre ? Tu ne sors jamais. Tu es ceci, tu es cela. » Elle a commencé à te clasher. J'ai dit « Quoi ?» Elle m'a clashé. Elle me dit, j'ai dit « Mais si je suis dans ma chambre, c'est parce que l'ambiance ne me plaît pas. » D'abord, de un, le document qui est sorti, le nom des personnalités, tout ce monde-là qu'on cite, les affaires qu'on nous... Je ne suis plus en moi, moi j'ai peur. Et puis, moi je suis quelqu'un, je suis une fille discrète. Je n'aime pas trop m'afficher, j'ai honte du regard des gens. Quand les gens me regardent beaucoup, je commence à avoir honte. Moi je suis quelqu'un, je suis une fille, j'aime vivre dans mon petit monde, je n'aime pas m'afficher. Donc, j'ai eu une éducation vraiment... différente. Chacune a son éducation, mais la mienne est différente. Je ne veux pas me mélanger. Je ne veux pas les histoires qu'elle a la piscine, mais elle avait crié dans les hôtels, machin. Je ne veux pas ça. Moi, j'aime rester dans mon angle. Moi, je suis toujours dans ma maison. Je ne veux pas me mélanger. Je ne veux pas tous ces mélanges-là. Et en plus, elles avaient leur famille. Moi, j'avais interdit à mes frères que je suis venu ici. Je suis venu ici. Je n'ai pas reçu. Je suis venu à la canne sur invitation. Donc, je ne veux pas vous voir à l'hôtel. Je sais le moment venu, peut-être dans 2 ou 3 semaines, peut-être à la fin de mon séjour, je peux vous inviter. Mais là, je préfère être seul dans mon petit coin. Ne venez pas. Donc, aucun membre de ma famille n'est passé à l'hôtel, que des amis. Un ami, petit mouton, comment il s'appelle? Mirador, qui est venu à l'hôtel. Et un autre ami, que je ne vais pas citer son nom, parce que bon, il y a les gens qui nous regardent. Il m'a dit, Lolo, je viens te voir à l'hôtel. Il est venu avec ses deux frères. Voilà les gens qui sont entrés dans ma chambre d'hôtel.
Mirador, tout le monde connaît Mirador sur Facebook. Il m'apprécie beaucoup. J'ai eu à faire des vidéos avec lui. Donc, c'est Mirador qui vient à mon hôtel. J'ai même fait un direct avec Mirador parce que j'ai dit à Mirador que aide-moi à parler au Camerounais. Essaie d'expliquer. Peut-être moi, je ne m'exprime pas bien. Peut-être avec ta présence, tu vas mieux faire que moi. Nous avons fait un direct ensemble. Nous avons essayé d'appeler au calme, à la paix. Et que vraiment, que les gens ne s'agitent plus. Que ça ne sert à rien. Nous sommes obligés d'essayer d'expliquer. Lui aussi, il a pris la parole. Alors, le jour de l'ouverture de la CAN, nous avons eu 3 billets. 3 billets pour aller regarder le match de la CAN. Aline a dit, elle ira, elle sera installée à la tribune présidentielle chez les VIP. L'autre va au... Je vais pas aller dans les détails, hein, parce que je veux pas... Il y a des petits détails que je ne vais pas mentionner là. L'autre va à l'hôtel chercher un coin où il y aura du monde. Et toi, Lolo, tu vas... J'ai dit non. Bon, on va dire la vérité. On a décidé de parler, on va parler. 3 billets arrivent. Il y a 2 billets Shabba. Il y a 1 billet VIP. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? On a décidé de dire la vérité. On va dire la vérité. Je vais vous dire ce que j'ai subi au Cameroun. Ce que j'ai subi au Cameroun. Je ne peux pas vous mentir. Si c'était à refaire, je ne referai pas. Il y avait 3 billets qui sont arrivés. Parce que quand j'arrive au Cameroun, avant d'arriver au Cameroun, il y a Crépin Niamsi qui était aussi candidat à la FECAFOOT. Il m'appelle, il me dit j'ai décidé de vous offrir 2 billets VIP. Comme tu vas au Cameroun, parce qu'il était au courant que j'allais au Cameroun. Comme tu vas au Cameroun, j'ai décidé d'offrir 2 billets à 2 blogueuses, Flore et toi. Parce que Flore sera aussi au Cameroun. Alors, 2 billets VIP pour Flore et toi. Quand tu arrives au Cameroun, je vais t'envoyer chez Mabouan Kessa. Il va te donner 1 billet VIP. Il va donner 1 billet VIP à Flore. Avec ça, vous aurez accès au stade. Ça, cette partie-ci, je n'ai pas dit ça à Flore parce qu'il savait que si elle disait ça à Flore, elle devait s'énerver. J'ai préféré garder ça pour moi. Vous voyez, tu fais un voyage, tu quittes la France, tu as déjà tout programmé et arrivé. Le jour de la finale, une finale que tu rêvais d'y être. Dans un beau standing où j'avais même déjà mon billet qu'on m'avait déjà réservé. Allez, et en hormis de ça, Bill, c'est le fils de ma soeur. Il a la FECAFOOT. Je pouvais appeler ma soeur même, peut-être même, à la, même 2 jours avant pour dire à ma soeur que je n'ai pas de billet, je suis à l'hôtel. Elle m'a dit, pourquoi tu n'es pas venu prendre le billet à la maison? Pourquoi tu n'es pas venu prendre le billet? J'ai dit non, comme on avait déjà, on a dit que nous sommes venus ensemble. Moi, je ne connais pas les gens qui nous ont amenés. J'entends seulement une personne que Nassi. Je ne connais pas la personne. L'ouverture de la CAN, excusez-moi, si elle dit finale. L'ouverture, ça peut arriver dans les lapsus comme ça parce que je parlais sur aussi. Donc, c'est comme ça que je dis, mais je peux aller prendre chez ma soeur parce que Bill Tchato, c'est l'enfant de ma soeur. C'est l'enfant de ma grande soeur. Je peux aller prendre le billet là-bas. Crépin Niamsi m'avait déjà gardé mon billet VIP. Pourquoi je... Ali m'a dit non. Ne te dérange pas pour les billets. Les billets vont arriver. J'ai dit ok, j'attends les billets. J'appelle Flo, elle me dit que tu es allé prendre ton billet. Elle me dit que j'ai appris mon billet VIP. J'ai dit que pour nous, arrive. Vers 14h30 comme ça. Aline m'appelle, elle me dit viens Lolo, les billets sont là. Elle sort un billet
deux biais VIP. Deux biais. Je regarde le biais. Je dis, ah. Donc, c'est le biais du Shabbat. Il y a un biais VIP. Je dis, ok. Nous, on va se diviser le biais VIP si comment? S'il y a un biais VIP, il y a deux biais Shabbat. Moi, je fais comment? Moi, Lolo, je ne peux pas aller m'asseoir au Shabbat. Mais le Lomania ne peut pas vivre cette honte-là en direct. Avec tout ce qu'on nous insulte, il y a sur les réseaux sociaux. Regardez toute la honte que vous me versez. Que je vais aller m'asseoir au Shabbat pour regarder le match. Non, je ne peux pas. Mieux, je dors. Tu aurais, si cette personne nous avait dit ça avant, je pouvais avoir mes billets. J'ai la possibilité d'avoir les billets. J'ai mon fils qui est dans les Lions, qui entraîne les Lions, qui travaille à la FIFA Foot. La dernière fois qu'il était au Cameroun, j'étais dans son bureau. Sa mère, c'est ma soeur. C'est pas les soeurs de ma chaîne. Soeur directe. Ma grande soeur directe, qui est la mère de cet enfant. Est-ce que j'ai un problème de billet VIP? Que Ben Yamsi m'avait dit que ton billet VIP est là. Tu fais comment pour venir prendre ton billet VIP? Mais là, à la dernière minute, je te demande, même si on m'avait mis ça même le matin, peut-être même vers 10h, Je serais déplacé pour aller même récupérer même le billet que Crépin Yamsi avait réservé pour moi ou aller même prendre ça chez ma soeur. Mais vous me donnez à 14h15. L'ouverture, c'est à 16h. Je fais comment? C'est comme ça que j'appelle ma soeur. Je dis à ma soeur que tu vas aller au match. Elle me dit que non, papa. J'ai dit que tu as le billet. Elle dit que non, elle n'a pas demandé le billet parce qu'elle devait aller à la messe. Après la messe, elle devait être fatiguée. Donc, elle ne peut pas aller au stade. Je dis parce que je n'ai pas le billet. Elle dit quoi? Tu n'as pas le bien comme elle, que je n'ai pas le bien VIP. Tu vas aller t'asseoir où? Au Shabbat. J'ai dit que non, maman. Prenez votre bien. Ça a commencé. Les petits. Je me suis énervée. Je dis, merde. Bon, comme Aline est le capitaine du groupe, elle est avec sa famille, ses frères et tout. Comme tu sais, elle aime bien marcher en famille. C'est comme ça que Aline a dit que. Aline va partir avec le bien VIP. L'autre a dit qu'elle ne partait plus. Nous sommes retrouvés dans la chambre. Il n'y a jamais eu de cris dans les chambres. Hein. C'est quand on vous raconte qu'il y a eu des cris dans les chambres. Peut-être c'est en bas. Dans les chambres, je n'ai jamais entendu les cris dans les chambres. Peut-être c'est en bas à la réception ou peut-être au restaurant. Dans la chambre, je n'ai jamais entendu les cris. Alors dans la chambre, nous sommes entrés. Nous étions trois. La sœur d'Aline, Aline et l'autre fille. Il y a une qui a dit que vous n'avez pas honte de discuter devant la bilobilobo. Elle oublie que moi je comprends Boulou parce que je suis née à Kibi. J'ai grandi à Kibi. Le Boulou, je parlais couramment quand j'étais petite. C'est seulement parti dans ma tête. La femme de mon oncle était Boulou. Donc on a grandi dans les mêmes maisons. J'ai mes cousins Boulou. Donc quand elle a dit que vous discutez devant une graphiste, dont il ouvre les Bamileke, non, vous n'avez pas honte que deux sœurs d'une Dja et Lobo discutent devant une Bamileke. Ça, j'ai entendu ça. Ça m'a choqué. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu très mal. J'ai eu mal à dire que. Donc maintenant je suis mal. Donc c'est quand c'est un partage de billets, ça devient que je suis une graphiste. Elle savait pas que je comprends. Elle, Aline sait que moi je comprends Boulou. L'autre sait que je comprends. Elle ne savait pas. Alors avec la colère, je suis sorti de la chambre. J'ai laissé le billet là-bas. Je suis allé entrer dans ma chambre. L'autre là, Malta Guinness, est venue me suivre. Malta Guinness parce qu'elle a compris que j'ai entendu, j'ai compris ce qu'elle disait en Boulou. Quand vous venez de citer deux filles de Dja et Lobo. Comme moi, je ne suis pas de Dja et Lobo. Moi, je suis une graphiste. Vous venez de vous discuter devant une graphiste et vous n'avez pas honte. J'ai eu mal au cœur. Je ne vous mens pas, j'ai pleuré. Moi, je me dis la vérité parce que je suis quelqu'un qui pleure beaucoup. Je pleure beaucoup. J'ai pleuré. J'ai dit, je me suis retrouvé dans la merde. Et là, tu vas assumer, Lolo. Tu vas assumer parce que toi, parfois, tu fais des choses. Il faut suivre ton instinct. Dès le début, j'avais dit cette histoire-ci, quand ça a commencé les clashs, Ali m'a dit que tu vas gérer ta personne. Laisse, on part. J'ai eu mal au cœur, je suis sorti de la chambre. Malta Guinness m'a suivi. Et quand Malta Guinness me suit, elle veut bloquer la porte parce qu'elle sait que j'ai entendu ce qu'elles ont dit. Je pousse ma porte que tu n'entres pas ici. J'ai fermé, je me suis couché, j'ai moi dormi. J'ai regardé le match devant, comme vous tous. C'est le mot qui est revenu dans ma tête. Bilobilob, les Bamileke, tout cela. Je ne manque pas. Après quelques minutes, j'ai dit non, il ne faut pas qu'il y ait des tensions entre nous. Je suis descendu voir Aline. J'ai dit à Aline que je m'excuse si je me suis emporté tout à l'heure.
va à la tribu parce qu'elle avait dit qu'elle ne partait plus aussi. Parce que s'il y a un billet, quand on se chama pour un billet, elle aussi elle ne part pas. Parce qu'elle ne veut pas qu'elle amène les gens quelque part, les gens ne se sentent pas bien. Elle aussi elle préfère même rester, aller même ça, elle va aller même dans cette tribu, se balader avec sa famille. Donc j'ai dit que non, va à la tribune, va t'amuser, c'est toi qui nous as amenés, nous on te suit. Il faut pas qu'il y ait un problème, on te suit. Moi je vais rester, je ne pars pas. Donne même mon billet à quelqu'un, peut-être même un de tes amis ou un de tes potes ou quelqu'un que tu vas rencontrer là-bas. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle a dit que c'est bon, on a fait une accolade et puis elle était toujours dans son riz. Elle est partie. J'arrive dans la chambre de l'autre, c'est les déshabillements, oh. Les machins qu'elle enlève au corps, oh. La petite folie qui commence là. Oh. On a essayé de parler, je suis rentré dans ma chambre, j'ai regardé le match comme vous. Voilà. J'ai regardé le match parce qu'à la veille, même d'abord, j'étais sorti. J'ai pris ça sur moi. C'est la raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu à l'ouverture de la CAN. Parce que je n'avais pas un billet que j'attendais. Je ne pouvais pas aller m'asseoir au Shabbat. L'autre a dit qu'elle va aller. Elle m'a même pas dit qu'elle va aller se balader. Elle est pas allée se balader comme elle s'est baladée là-bas. Elles sont rentrées. Les vidéos ont commencé à arriver, les vidéos, les ceci. Les seules personnes, elles m'ont accusé. L'autre là m'a. Voilà. C'est comme ça qu'un jour, 2 jours avant notre départ, hein, c'était le lundi, la personne qui nous a invités envoie quelqu'un venir nous chercher. Quand on va au restaurant, que nous sommes déjà tous restés enfermés, il faut même pas aller vous amuser, je vais vous amener un peu hors de l'hôtel. Elle envoie quelqu'un nous chercher, on va manger au restaurant. Aline m'appelle, elle me dit, Lolo, allez, on avait rendez-vous à la télé, on devait faire une émission. Elle me dit, non, le patron de l'émission avait déjà envoyé le chauffeur de la télé venir nous chercher. J'ai dit à Aline que ben, on a déjà envoyé quelqu'un venir nous chercher. Ça fait 2 fois qu'on reporte cette émission. Elle me dit non, on quitte du restaurant, on va prendre un taxi pour se faire déposer à Kodengi. Maintenant, on va au restaurant, nous arrivons au restaurant, chacun prend, tout était déjà arrangé. Hein. On passe les commandes. On demande. Mata Guinness dit que elle veut une bière. Le monsieur que la dame a envoyé, il est en face d'elle. C'est là où ça commence, l'affaire du chassement. Le monsieur que la dame nous a envoyé, il est en face d'elle. C'est un monsieur. Quand je dis monsieur, ce n'est pas un voyou, c'est un monsieur. Un homme, un monsieur. Pas un voyou. Il est assis parce que c'est le chauffeur qui vient nous prendre. Le chauffeur nous amène au restaurant. Il nous amène au restaurant. Le gars en face de nous, la fille qui, la servante vient. Qu'est-ce que vous buvez? La fille commande la bière. On dit dans ce restaurant, on ne consomme pas d'alcool. Dans ce restaurant, c'est un restaurant musulman. Mais la fille a eu un comportement. Putain de merde. Oh! Tu nous amènes dans un restaurant, il n'y a pas la bière. Vous vous prenez même pour qui? Nous sommes venus ici pas cher. D'abord, vous nous prenez à l'hôtel, même pas s'arranger. On arrive ici et l'autre nous traîne. Elle a d'abord commencé par le chauffeur, agresser le chauffeur à l'entrée du restaurant. Elle agresse le chauffeur. Elle dit au restaurant et au chauffeur, tu nous amènes dans un restaurant, tu ne connais pas où est l'entrée, où est la sortie. Tu crois que tu ne vois pas qu'il fait chaud? Le chauffeur est un costaud grand, un gars du Nord. Le gars est resté comme ça, il a dit, mais. On s'est regardé, Ali m'a regardé, j'ai regardé Ali. La soeur d'Ali m'a regardé, il y a quoi? Tout ça parce que la personne m'accuse que j'ai amené ma soeur Bamileke à la télé. Je ne l'ai pas laissée à la télé. Que si Aline vient à la télé avec les Bamileke, c'est qu'elle est bête. C'est qu'elle est salope. D'abord, il y a cette colère-là envers moi. Le chauffeur dit que j'ai fait quoi la femme-ci? Elle gronde le chauffeur. On se regarde, Aline ne dit rien. Je ne dis rien. On monte. Elle dit que. Et devant le monsieur, le collaborateur de la personne qui nous a invités, qu'elle dit que j'estime que vous n'avez pas de quoi manger. Vous avez tout resté à l'hôtel avec toute la pression des réseaux sociaux et tout ça. Je crois que vous êtes étouffé. Voilà une dame. Une personne, une dame. On se lève, on arrive.
Tu es en face du monsieur, tu grondes le monsieur pour une bière. Parce qu'il n'y a pas la bière. Tu te, vous prenez pour qui? Hein? Vous avez laissé, il n'y a pas la bière? Alors, je m'en vais chercher ma bière. Elle se lève, elle sort du restaurant. Je dis à Aline que ce qui arrive là, c'est parce que tu n'as jamais recadré cette personne-ci. Et ça, ça va nous causer les problèmes. Même toi, ça va te causer les problèmes plus tard. Il faut taper la main sur la table. Parce qu'avec des comportements comme ça, ce n'est pas bon. Le monsieur dit ceci. Avec tout ce que nous subissons comme pression, cette dame, nous subissons des problèmes, tout est de tous les côtés. Nous avons estimé que vous êtes très mal. Vous n'avez pas le moral. On va vous sortir de l'hôtel pour vous amener quelque part où il y a un peu d'air. On vous amène, votre copine se comporte comme ça, ça veut tout dire. Ça veut donc dire que ce que les gens disent de vous dans les réseaux sociaux, c'est la vérité. Ça veut dire que tout ce qu'on comporte de vous dans les réseaux sociaux, c'est la vérité. Parce que devant moi, elle a affiché ce comportement-là. Ça veut dire que quand je ne suis pas là, ça se passe comment? Le monsieur a dit ça. J'ai regardé Aline, j'ai dit à Aline que il est temps que tu tapes la main sur la table. Elle me dit non, ouais, c'est ton ami. C'est-à-dire que non, Mata Guinness n'est pas mon ami. Mata Guinness n'est pas mon ami. Elle revient, elle lance le direct, elle est en face du monsieur. Oh, j'accepte, je suis sous l'acte. Oui, je filme le débat. Oh, si c'est là. Oh, si c'est là. Vous savez, les musulmans, c'est des gens qui ne parlent pas beaucoup, ils observent. Le monsieur, le musulman, il observe, il regarde, surtout les personnalités là. Ils ne parlent pas beaucoup, ils regardent, ils observent. Aline faisait un direct show, qui nous faisait tout rire, tout le monde riait. Alors, c'est comme ça que le monsieur, je sens que quand nous sommes partis, on arrive encore devant, le monsieur nous a dit au revoir. Il était froid. Il nous a dit au revoir. Donc, Jacques, on sort du restaurant. Nous sommes les premiers à descendre. Aline est devant, l'autre est devant, après moi, et puis je. De dos! Il n'a pas eu le temps de venir nous tendre la main que au revoir, ou peut-être faire les accolades, les bisous, rien. Il a seulement pris un petit chemin. Il est parti, Jacques, pour dire, je m'en débarrasse. Nous arrivons devant, comme c'est le chauffeur qui nous avait amené, le chauffeur dit, je vous amène à l'hôtel. Aline dit que tu nous amènes à la télé et elle prend un taxi. Elle demande à Aline, pourquoi? Je dois prendre un taxi, pourquoi? Je ne prends pas un taxi. Je vais avec le chauffeur. Aline dit que la majorité gagne. Tu prends le taxi ou tu fais ce que tu veux. Elle entre dans le taxi, devant le chauffeur, elle dit à Aline, salope. Salope. Et moi, maintenant, comme je suis quelqu'un, moi, je prends toujours sur moi. J'ouvre mon porte-monnaie ou payer sa course. Elle dit, vous, ne paye pas ma course. Nous savons que tu as pris ta soeur pour me laisser pour aller à la télé. Elle dit que j'ai pris, va te pendre. J'ai pris, va te pendre. Alors, c'est comme ça que nous quittons maintenant. Nous arrivons à la télé. On rentre la télé. On arrive. On rentre à l'hôtel. Après la télévision. J'ai dit à Aline que ce qui s'est passé aujourd'hui, je prie Dieu que ce monsieur ne rende pas compte à la personne qui nous a amené parce que le monsieur a dit quelque chose de très pertinent. Que ce qu'on dit de vous dans les réseaux sociaux, c'est la vérité parce que vu le comportement que votre ami a affiché, donc ça fait peur. Ça peut être pire. Alors s'il va dire à cette dame, la personne risque de nous bloquer parce que vers 20h, Aline couille à ma porte. Elle me dit, tout est gâté. Tout est gâté. Mais à la veille déjà, du jour, j'avais déjà enlevé mes valises. J'ai oublié ces côtés-là. À la veille du jour, j'avais déjà enlevé quelques de mes valises. Il devait rester peut-être une valise là qui traînait là. Parce que j'avais déjà enlevé ça pour dire que pardon. À tout moment, je vais porter ça. Je fuis. Je fume la nuit à 4h du matin, je nyongo. C'est comme ça que Aline vient me dire, c'est gâté. Je dis, je t'ai dit tout à l'heure à l'hôtel, à la télé, que ce monsieur-là, il va rendre compte. Et la personne ne va pas nous garder ici. La personne ne peut pas nous garder ici. Avec cette allure-là, la personne aura peur. Aline dit que c'est gâté. Il y a eu des partages des vidéos, il y a eu ceci.
Demain matin, on retourne sur Paris. Je suis restée comme ça, j'ai eu mal. J'ai dit, ah, chaque fois que je vous appelle, c'est que voilà, comme ça, les gens disent sur Facebook, oh non, on maîtrise. Voilà, le maîtriser alors. J'ai enlevé mes bagages. Je suis allée mettre dans l'appartement. J'ai dormi parce que j'ai dit, il faut que je continue à aller jusqu'au bout. Elle m'a dit, les billets d'avion, demain matin, on vient nous remettre les billets d'avion. Le matin arrivé, vers 11h, un chauffeur est venu nous chercher. Nous sommes allés voir la personne qui nous a invités. Je vous rappelle ici que ce n'est pas l'État camerounais qui nous a invités. C'est un particulier. Jamais l'État camerounais. Je ne sais pas où est sortie cette histoire de blogueuse d'État. L'État camerounais ne nous a jamais invités au Cameroun. L'État, peut-être ce document-là, je ne sais pas où ça sort. Peut-être, je ne sais pas. Mais je sais que c'est un particulier qui nous a invités parce que j'ai vu cette personne ce jour-là. Nous arrivons dans le bureau de la dame. Les pleurs. Dans la voiture, tout se passe bien. Nous arrivons dans le bureau de la dame. La personne est choquée. La personne a mal. La personne a mal. La personne nous demande, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai voulu vous aider. Au départ, il n'y avait pas une histoire de canne. C'est Lolo qui m'avait demandé qu'elle avait besoin d'un badge. Et l'idée m'est venue avec Aline, quand on causait, de vous faire venir toutes les trois. Parce que Aline, après ça, elle a su dire des choses à la personne pour que la personne nous invite. Toutes les trois. Je ne sais pas ce qu'elles ont parlé parce que c'est sa personne. Moi, c'est sa sœur. Et voilà, elle demande qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. J'ai voulu vous aider, vous encourager à réaliser un de vos projets. Après l'histoire, Lolo a suggéré l'histoire de laquelle elle venait à la canne. Et j'ai préféré vous inviter, venir vivre ce moment-là. Il n'y avait aucune instruction. Comment on dit que non, pourquoi vous n'êtes pas parti ici, pourquoi il n'y avait aucune instruction que vous partez au stade, machin, rien. Il n'y avait pas ça. Donc tu viens à ta canne, tu fais ce que tu veux sortir en bois, tu vas aller au match, tu fais tout ce que tu veux. Tu manges, tu bois, tu fais ce que tu veux, mais sans nuire à autrui, sans nuire à personne. La dame, franchement, je vais aussi profiter de cette direct pour demander pardon à cette dame. Pardon. Vraiment. Nous l'avons déçue. Elle a eu très mal. Vous savez, quand tu arrives... Et moi, je suis quelqu'un qui est très émotif. Quand c'est comme ça, nous avons tous pleuré. Aline a pleuré. Malta Guinness a pleuré. Parce que quand tu voyais cette personne en face de toi, tu sentais que c'était une personne qui était touchée. Elle était mal. Elle était mal. Mal au fond d'elle. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vous connais pas. Mais Aline, je te connais. Je ne te connais pas comme ça. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Je ne t'ai jamais vu dans ce genre de comportement. Qu'est-ce qui est arrivé? Les vidéos à la piscine. Je vous jure que j'ai vu les vidéos à la piscine à la veille. Je n'étais pas au courant de ces vidéos-là. Même les vidéos où elle m'a clashé dans sa chambre, j'ai vu ça sur Facebook. Je ne suis pas exemplaire, hein. Je ne suis pas une personne. Je fais aussi des trucs qui ne sont pas bien. Mais sur ce côté-là, je me reproche de rien du tout, de rien. Je me reproche de rien. La dame était paniquée. Qu'est-ce que j'ai fait? Malgré tout ça, elle a dit, vous ne pouvez plus rester. Il faut partir. Il faut partir. Parce que le Cameroun est en alerte. C'est tout le Cameroun qui est sur vous. Si vous dormez ici, quelque chose vous arrive, je ne suis pas responsable. Il faut partir. J'ai déjà tout arrangé. J'ai déjà tout arrangé. Le voyage, vous ne pouvez pas passer par Yaoundé. Parce que si vous passez par Yaoundé,
Peut-être qu'on va vous arrêter à l'aéroport. Mais frère, j'ai souffert. J'ai vu comment ma canne sucrée est devenue amère. Ma canne sucrée est devenue un cauchemar. Ma canne sucrée que je rêvais depuis plus d'un an. On vient m'arracher ce bonheur-là, cette joie de vivre la canne dans mon pays au Cameroun. À cause de qui? Que je me retrouve dans une histoire que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait de mauvais. Ce n'est pas que je... C'est mon voyage que j'ai programmé depuis. Si je n'avais pas parlé de badge à cette dame, j'aurais fait mon... Un instant, s'il vous plaît. Je me suis retrouvée dans une histoire. La dame a commencé. La personne était choquée. Je vais dire la dame, parce que tout le monde sait. La femme était dans la panique. Elle dit, qu'est-ce que quelque chose... Pourquoi vous avez dit blogueuse d'État? Est-ce que c'est l'État qui vous a invité? Même si un papier quelconque est sorti, ce n'est pas l'État qui vous a invité. C'est moi. L'État ne vous a jamais invité. L'État ne sait même pas que vous êtes là. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous êtes allé raconter les histoires de l'État, même si le papier est sorti. Vous vous taisez, vous ne dites rien. Maintenant, c'est qu'elle a dit à Aline que toi, que je connais une femme avec beaucoup d'humour. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'as pas l'habitude de te comporter comme ça. Pourquoi elle dit... Bon, et tout le monde, vous savez, quand vous voyez quelqu'un, une personne abattue, une personne qui a voulu te faire du bien, cette femme a voulu nous faire du bien. Cette femme... On a perdu beaucoup de choses. La chance ne vient qu'une seule fois dans la vie. On a perdu à cause des directs, à cause de Facebook. Et j'avais dit à cette fille, à Malta Guinness, tu n'as pas de vie en dehors de Facebook. Il y a une vie. La dame a pleuré. La dame s'est sentie trahie. La dame s'est sentie trahie par nous. Alors tout le monde a pleuré. Quand les gens viennent dire que Lolo a pleuré, franchement, ça me fait rire. Tout le monde a pleuré. Et surtout quand elle a parlé des vidéos nues d'Aline, elle a dit comment ça s'est retrouvé là-bas. Une belle femme comme toi, quelqu'un avec beaucoup d'humour, comment ça s'est retrouvé là-bas? Aline n'a pas supporté, elle a pleuré. Moi aussi, j'ai pleuré. Malta Guinness a pleuré. Tout le monde a pleuré. Et quand j'ai pleuré, elle a dit, Lolo s'est très bien comporté. Vous voyez la jalousie. Lolo s'est très bien comporté parce que je ne vois l'étude de Lolo nulle part. Je ne la vois même pas dans les directs. Lolo s'est très bien comporté. Pourquoi vous n'avez pas fait comme elle? Malta Guinness a dit ceci. Si je savais, j'écoutais Lolo. Parce que à plusieurs reprises, Lolo est venu. Lolo m'a parlé, je ne l'ai pas écouté. Elle a dit à Malta Guinness, fallait écouter Lolo. Si tu l'avais écouté, c'est que vous avez passé bien votre séjour. J'avais programmé beaucoup de trucs pour vous. Vous devez sortir ici gagnante. Mais ce n'est pas l'État qui vous a invité. Pourquoi vous avez tout gâté? Pourquoi vous êtes entré dans le jeu des autres? Pourquoi vous avez dit que c'est l'État qui vous a invité? Si un papier est sorti, alors... C'est comme ça que les pleurs ont commencé. La personne a dit, malgré tout, vous restez mes sœurs. Je vous aime. Je suis une personne qui aime partager avec les autres. Je suis une personne qui n'aime pas voir les autres souffrir. J'aime encourager les personnes. Et j'ai vu que vous vous battez dans la vie. Pourquoi ne pas vous tendre? Pourquoi ne pas vous aider? Et j'ai voulu vous aider. Aujourd'hui, j'en paie le prix. J'ai fait des malaises. J'ai eu un malaise. Elle nous a monté son bras. J'ai eu un malaise. Je ne vous connais pas. Je connais Aline. Aline était une personne toujours posée, toujours discrète.
Depuis des années, je parle avec Aline. Jamais c'est sorti. Qu'est-ce qui n'a pas marché, ma soeur? L'autre, Malta Guinness, a dit que tu es notre soeur, Dja et Lobo. La dame a dit, stop. Je ne suis pas tribaliste. Et je ne veux pas vivre, je ne veux pas le tribaliste dans ma vie. Tous les Camerounais sont mes frères et mes soeurs. Je ne veux pas ce langage que je suis votre soeur de Dja et Lobo. C'est ce que Malta Guinness a dit. Elle a dit non, je ne veux pas ce mot. Lolo, c'est aussi ma soeur. Et Lolo s'est très bien comporté. J'ai dit à la dame, j'avais pour elle, j'ai été nommée grand-mère au mois de juin, juillet, août, dans ma famille. Je n'ai pas fini les coutumes que j'avais à faire au village. J'avais programmé aller dans mon village faire ses coutumes. Moi, je ne me reproche de rien. Même si la police vient, moi, je ne vais pas fuir. Je ne veux pas partir avec elle. Moi, je veux rester. Elle a dit non. Tu peux rester parce que tu t'es bien comporté. Tu restes à l'hôtel. Tu continues ta canne. Si tu as besoin peut-être des tickets, oui, mais encore, Jacques, que je serai présente, non. Mais tu occupes ta chambre. Tu fais ce que tu as à faire. Il y a peu près parce que tu t'es très bien comporté. Mais les deux autres, non. Non, non. Urgence, urgence. Il faut partir. Il faut partir. Je pense que Aline paye le prix aussi parce que c'est elle qui était la tête du groupe. C'était peut-être parce que c'était elle qui était la tête du groupe. Je me dis ça. Que les deux autres sont les cibles dans les réseaux sociaux. Les deux autres qui font parler. Alors pour éviter, il faut partir. Coûte que coûte. Là, là, là. J'ai tout préparé. Et Lolo, comme tu ne pars pas, je vais changer ton billet. Et mon billet était changé. Je vais changer ton billet pour le mois de février. Toi, tu vas rester. Et on ne savait pas qu'il y avait déjà la police qui avait déjà encerclé l'hôtel. Pendant que nous on parlait là-bas, on ne savait pas que la police avait déjà encerclé tout l'hôtel Montfermeil, était encerclé par les hommes en tenue. Les hommes en civil. La police. La dame dit que vous allez partir. Lolo va rester parce que elle, je peux gérer. Parce qu'elle n'a pas, elle n'a rien fait. Elle s'est très bien comportée. Elle m'a félicité. Hein. Bravo, vraiment, tu t'es bien comportée. Mais quand tu ne veux pas partir et que tu as d'autres choses à faire, il y a possible. Parce que même sans elle, moi, je restais. J'ai dit, tiens, la dame, moi, je peux quitter l'hôtel. Je vais dans mon appartement. Parce que j'ai mon appartement à Masso. Elle m'a dit, non, tu ne pars pas de l'hôtel. Tu restes à l'hôtel. Ne pars pas, tu restes à l'hôtel. Alors, c'est comme ça qu'elle nous a offert des cadeaux. Elle nous a offert des cadeaux, des sacs à main, des tout ce que vous avez vu là. Et l'argent pour manger en route. Donc, des petits pouvoirs pour que ça nous aide quand nous allons arriver en France. Ça peut nous aider, argent de pot, peut-être pour payer des petites factures. Là, je garde cette partie. Le moment venu. J'attends. Alors, il y a des choses que la dame a relevées, sorties là-bas, les trucs qu'elle a racontés là-bas, que je ne veux pas entrer dans les détails. Les noms des gens, des femmes qui sont là, qui font la propagande du tribalisme, qui se cachent, elles viennent avec des visages d'anges. Alors que par derrière, c'est des femmes qui agissent comme le diable. Elle a suggéré, elle a sorti des noms de certaines personnes que je ne m'attendais pas. Et qu'aujourd'hui, j'ai les captures d'écran de ces personnes-là, les écrits jusqu'au voice. Tous ceux qui ont péri dans ces trucs-là. Et même quand j'étais au Cameroun, les gens qui ont appelé cette dame pour m'envoyer en prison au Cameroun, elle a sorti les noms. Tout était sorti. On a regardé les réseaux sociaux. Il y a déjà eu aussi des informations d'autres personnes. La dame, la personne a dit, Aline, tu restes ma grande soeur que j'aime. Aline a dit, pour toi, pour l'amour que tu as toujours eu pour moi, je vais partir parce que je ne veux pas que tu aies des problèmes à cause de moi. Lolo, tu veux rester, tu restes. Je t'ai amené. Ce qui s'est passé, ma soeur, je n'ai rien à dire, mais je vais partir pour ma soeur. Je ne veux pas salir l'image de ma soeur. Je veux partir. C'est comme ça que Aline a décidé. Malta Guinness a dit que, parce que Malta Guinness n'a pas l'argent, si on te donne seulement la nourriture à l'hôtel, on te donne, tu vas vivre comment? Malta Guinness aussi a dit qu'elle part parce que sa mère a vu les vidéos où elle a dit qu'elle est la Wakadam président. Sa mère l'a
Sa mère l'a rejeté. Sa mère a eu honte de ce comportement-là. Sa mère a pleuré. Que ça, c'est quelle honte. Tu viens me salir comme ça. C'est le monde entier qui regarde cette vidéo. Donc, c'est comme ça que la dame a pris un chauffeur d'une agence de voyage. Elle a dit, vous ne pouvez pas passer par Yaoundé. Vous avez, parce qu'arrivé à Yaoundé, la police peut vous arrêter à Yaoundé. Donc, direction Douala. Comment quelqu'un qui est venu au Cameroun, à Yaoundé, aller-retour, se retrouve à Douala. Et à Douala, la personne a pris 3 chambres d'hôtel au Savoie Nouveau Hôtel pour qu'on soit relax. On se prépare pour le voyage. Le temps de peut-être d'inviter 2 ou 3 copines. Voilà, de vivre un peu ces moments-là à l'hôtel avant de partir sur Paris. Et quand moi j'avais dit que je ne partais pas, elle avait dit qu'elle était d'accord. Elle a dit que non, Lolo, tu restes. Elle m'a même fait un câlin que tu vas rester. Tu mérites d'être là parce que c'était ton projet. J'ai juste mis une touche dans ton projet, mais tu vas rester. Nous sommes partis, arrivés à l'hôtel, on a fait le partage d'argent. Ça s'est passé comme ça s'est passé. On a partagé l'argent et puis elles sont parties. Le cas les attendait à l'entrée de l'hôtel. Elles ont mis les bagages. Chacune, la famille, la maman est partie. Machin. J'étais plus là. Moi, je ne voyais même plus. J'étais là dans ma chambre d'hôtel. Bon. La police était déjà sur les lieux. La police a vu qui est parti. La police a vu qui n'est pas parti. Vers 20h, mon téléphone sonne. Le téléphone de la chambre sonne. C'est la police. Madame Biakmen, j'ai dit oui. Mais est-ce que vous pouvez descendre? C'est le commissaire des frontières, police des frontières, quelque chose comme ça. J'ai dit oui, je vais descendre. Je suis descendu. J'ai rencontré la réception. Il m'a dit, mais on nous a rapatriés, non? C'est le rapatriement que je vous raconte là maintenant. On va entrer sur la phase du rapatriement. La police de frontière. Qu'est-ce que j'ai fait? Les autorités veulent vous rencontrer. J'ai dit ok. Est-ce que je peux me échanger? On n'a pas réussi grand chose. Personne n'a pas eu 1 million. C'était juste l'argent de poche, donc peut-être avec 300 euros pour arriver, ça vous aide. C'est, voilà. La police des frontières. Et là, j'ai trouvé que je vivais l'injustice. Mais j'ai dit, je vais assumer. Parce que si vous voyagez en groupe et qu'il y a une qui dérape, c'est tout le groupe qui a dérapé. Et là, je suis en train de vivre, de payer. Ce que une ou deux collègues ont fait. Tout retombe sur moi. Je suis montée dans ma chambre. Je me suis habillée. Je les ai suivis. C'était un cadre. Il y avait 5 voitures. 5 voitures de police en civil. Parce que ce qu'elles disent, que Lolo est parti, elle nous a laissé, c'est faux. Ce que j'ai vécu après vous, écoutez la partie ici. J'ai pas honte de dire ça. J'ai pas honte. J'ai pas tué quelqu'un. Donc, j'arrive chez les autorités, chez l'autorité qui m'a. La personne. Je vais pas donner son nom, hein, parce que moi j'ai peur. J'arrive dans. Où c'est où? Dans quel poste? J'appelle un. Parce que j'étais dans la panique, hein, je sais plus quoi faire, j'étais seul. J'ai appelé la personne qui était. J'ai appelé une personne pour dire c'est chaud. Je suis dans la merde. Hein. Est-ce que tu peux me retrouver dans tel endroit? Il m'a demandé c'est où. J'ai dit c'est le policier qui était à côté de moi qui a dit c'est dans tel endroit. La personne a dit ok, je viens vers vous. Nous sommes arrivés, je suis entré dans le bureau. Est-ce qu'on peut m'envoyer un message là? Est-ce que je suis entré dans le bureau? Est-ce que je peux citer le nom? Je peux citer le nom de la personne. S'il y a quelqu'un qui est connecté, envoyez-moi un message.
Est-ce que j'ai le droit de citer le nom de la personne? Voilà. Voilà. La personne qui est venue me voir, les policiers, le commissaire de police des frontières, il m'a dit, le chef de la police va vous rencontrer, monsieur Mangangele. J'ai dit, wow. Qui m'a dit de rester où? Oh, si je savais où. Je partais où? Oh, si je savais où. Je partais, moi, avec les filles là-haut. Oh, c'est la canne de quoi? Oh, c'est la canne de quoi? Si je savais, je partais. Oh, je lui ai cité le nom. Mais ce n'est pas mal si je cite le nom. C'est une autorité camerounaise. C'est le père de la police du Cameroun. Je ne vais pas mentir. Parce qu'elles ne sont même pas au courant de ce qui s'est passé après. Elles sont en train de bavarder là sur Facebook. Eh, bavarde, bavarde. Au lieu de m'appeler, Lolo, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que vous êtes parti du Cameroun, est-ce que l'une de vous m'a appelé pour me demander que Lolo, comment ça s'est passé après nous? Tu es à quel niveau? Est-ce que tu es toujours à l'hôtel ou tu n'es plus à l'hôtel? Personne. Je m'excuse. J'avais déjà mon collaborateur qui m'avait demandé de citer le nom. J'ai regardé, il m'a dit de citer. Bon, on m'a pu mentionner, on oublie. Je suis arrivé dans le bureau. J'ai. Maman, dans ton propre pays, j'ai seulement vu la porte de Kodengi. Donc, on m'a donné le nom là. J'ai dit que oh, d'autres échappent à Kodengi. Moi, je vais me retrouver à Kodengi. Kodengi là me cherche tous les jours. La dernière fois, j'ai raté Kodengi. Moi, voici encore dans l'affaire de Kodengi. Oh, oh. J'ai comment. Là, je ne vous mens pas que tout mon corps tremblait. Voilà la blogueuse d'État qu'on a dit. Ce n'était pas blogueuse d'État. Vous nous avez collé une étiquette, un nom que je ne connais pas où ça sort. L'affaire, si j'avais dit où. J'ai commencé à envoyer les messages aux gens. Envoyer, panique. J'ai dit que je vais appeler mon petit frère. Peut-être l'enfant là-bas m'allait se suicider. Je vais faire comment. J'ai seulement appelé mon ami. Que viens. Je tremblais, je ne sentais plus mes pieds. Mon corps, c'est comme si mon corps était parti. C'est comme si. Donc, j'étais plus dans. Dès que j'ai entendu seulement le nom là, j'ai dit que pour moi, il est fini. Je suis fini. Si je savais, je suivais Aline et Malta Guinness. Mais comme moi, je voulais moi rester dans ma canne, aller faire mes coutumes au village, parce que je n'avais pas fini mon introduction de grand-mère. J'avais déjà programmé tout l'argent, j'avais déjà mis tout. La reine mère de l'Oumaya qui devait me faire le virement de mon argent avec lequel je devais faire mes cérémonies au village. Vous savez que quand tu marches avec les gens, il y a des choses que tu ne peux pas dire aux gens. J'ai été intronisée grand-mère au village. Je suis la grand-mère. Donc je n'ai pas fini toutes ces cérémonies-là. Donc on m'attendait au mois de janvier pour terminer. Parce que même ma tante m'attendait qu'on part au village, finisse ça avec quelques enfants que je devais inviter. Parce que ceux qui sont bamlikés, c'est le mari de ma grand-mère. Comme je suis la grand-mère, et le mari de ma grand-mère, c'est mon oncle. C'est lui qui devait taper mon dos pour que je vais m'asseoir sur la chaise. Et il n'était pas là. Donc, je devais aller au village faire ça. Mais je ne pouvais pas leur dire parce que c'est ma vie privée. Je ne pouvais pas leur dire tout ce que j'avais planifié, comme j'avais comme plan. Non. C'est la raison pour laquelle je suis resté. Surtout pour ça. Pour finir cette coutume-là. C'était surtout pour ça. Ce n'est même pas trop que la canne. La canne, oui, mais surtout pour ça, parce que j'avais déjà dit, je vais le faire. J'en finis, je finis avec cette histoire. Et je rentre en Europe tranquille. Moi, voilà dans les problèmes. Parce que j'ai dit que j'ai regardé que je n'ai rien fait. Je vais fuir, pourquoi? Si je fuis, c'est que je me reproche de quelque chose. Je me reproche de rien. Maman, j'étais. Vous avez vu comment on amène souvent les grands bandits, les grands terroristes, les grands voleurs là, non? Maman, il y avait 5 cas de police. 5. Les gens étaient. Maman, les voitures étaient alignées, plus le motard. Le motard. Comme si on m'amenait seulement que. C'est qu'on va aller voler avec toi. C'était comme dans un film. Dans un film. Dans un film. Quand on dit que le film. Un instant.
Alors? Bon. Donc, comme si je ne suis pas rentrée avec ces filles, parce qu'aucune d'elles n'avait le projet de la canne. Je me répète bien, je veux bien souligner cette partie-ci. Le projet de la canne, j'avais déjà réservé ma chambre avant de rencontrer, avant d'avoir le coup de fil d'Aline. Parce que quand les gens disent que pourquoi vous n'êtes pas rentrés ensemble, non. Nous ne sommes pas rentrés ensemble parce qu'on n'avait pas le projet. Elles sont seulement entrées dans mon projet. Donc j'avais déjà programmé mon voyage pour le Cameroun. Donc les gens qui disent, pourquoi vous n'êtes pas rentrés ensemble? Quand vous partez ensemble, vous rentrez ensemble. Non, sans elles, je partais au Cameroun. Sans ces personnes-là, je partais au Cameroun. Je tiens à souligner cette partie-là. Sans cette personne, je partais au Cameroun. Donc mon voyage pour le Cameroun était déjà prévu. Et c'est quand je parle avec cette dame que je dis, je veux juste le badge. Elle accepte de me donner le badge. Et c'est là où Aline continue à causer avec elle. Et elle dit, bon, que comme votre soeur vient au Cameroun, vous allez aussi, tu peux venir avec elle. Vous pouvez venir ensemble pour que ça soit une bonne ambiance. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, je ne partais, je ne rentrais pas parce que j'avais déjà mon programme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé, pourquoi tu n'es pas rentré avec elle? Voilà la raison pour laquelle je ne suis pas rentrée avec elle. Parce qu'elle n'avait pas programmé d'aller à la CAN. Elle n'avait pas programmé d'aller à la CAN. Moi, j'avais programmé. J'avais déjà mon hôtel réservé. J'avais déjà réservé mon hôtel depuis. Elles savent, si je mens, Aline, c'est une personne loyale. Elle peut faire un direct. Elle dit, Lolo, tu mens. Elle sait que c'est moi qui ai porté ce projet de la CAN. Aline le sait très bien que je ne mens pas. La dame nous a interpellés pour autre chose. Ça n'avait rien à voir avec la CAN. Ça n'avait rien à voir avec les blogueuses qu'on a invitées. C'est quand j'ai suggéré ce problème que j'ai demandé le badge, qu'après, elle a dit, je t'envoie le badge en passant par Aline. Et quand elle a appelé Aline, peut-être Aline aussi a dit, bon, fais comme ça, ou elles ont peut-être causé, c'est sa sœur. Je ne sais pas ce qu'elles ont dit après. C'est la raison pour laquelle j'ai dit non. Je ne vais pas accoûter mon séjour parce que les gens ont fait des choses et ça arrivait sur moi. Non, je ne peux pas le faire. Je continue. Alors, là, les policiers viennent me chercher. J'arrive dans un bureau. On me donne la chaise. Sans vous mentir, j'étais en. J'attends, j'attends. Après, j'entre dans le bureau de la personne qui tenait à me voir. Il vient vers moi, il me salue. Je salue la personne, le monsieur. Il commence, il dit, il a parlé peut-être pendant 15 minutes, je l'écoutais. Il a dit, le Cameroun n'est pas un pays tribal. Nous condamnons le tribalisme au Cameroun. Le Cameroun n'est pas un pays où on va appeler les Bamiléké, Bamilékons. Là, il ne sait pas qui je suis. Je ne suis pas identifié. Parce que quand il envoie ces gens à l'hôtel, c'était pour aller prendre les trois dames qui sont à l'hôtel. Mais ils arrivent, ils trouvent une personne. Bon. Je pense qu'il n'avait pas encore tous les renseignements que les deux autres étaient partis. Lui croyait que nous étions encore là. Alors, il dit, le Cameroun n'est pas un pays tribal. Nous condamnons le tribalisme. Parce que vous faites des directs, même si vous défendez. Le Cameroun, vous n'avez pas le droit d'avoir des propos tribaux envers vos compatriotes. Il y a des directs où vous traitez les Bamilékés des Bamilékons. Vous insultez une tribu parce que vous soutenez le président. Et nous, ici, nous condamnons ça. Et vous arrivez dans un hôtel comme Montfébé, vous faites les vidéos avec le drapeau du Cameroun, vous êtes nus, vous faites le tapage dans les au restaurant de l'hôtel, vous traînez partout avec les strings, tout ça. Est-ce que c'est normal? Vous avez fait des dégâts et vous ne pouvez pas rester ici. C'est là où il demande au monsieur, à un commissaire qui était avec lui, que où sont les deux autres?
Et le monsieur dit, les deux cibles sont au niveau de Douala. Les deux cibles sont au niveau de Douala. À l'aéroport de Douala, elles ont été repérées dans les alentours de l'aéroport. Le monsieur me dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je me présente. Quand il a fini de parler, il dit qu'il condamne le tribalisme. Il veut pas. Ils sont en train de se battre pour renouer les contacts avec la diaspora, parce que la diaspora d'un pays représente beaucoup, beaucoup de choses. Il veut pas. Il veut le vivre ensemble. Et le Cameroun, c'est notre pays. Normalement, on ne devrait pas salir l'image de ce pays-là. C'est sale ce que nous avons fait. Est-ce que nous trouvons, je trouve normal le comportement que nous avons affiché au Mont Fébé, qu'on peut venir passer notre séjour. Maintenant, l'affaire est au sommet de l'État. Il a raconté beaucoup de choses. Les deux cibles sont au niveau de voilà. Il m'a donné la parole. J'ai parlé. Il m'a dit, effectivement, quand je regarde, je ne vois aucune image de vous quelque part. Ça veut dire que vous vous êtes bien comporté, mais comme c'est une histoire de groupe, vous allez rentrer toutes les trois. Même toi, tu ne vas pas rester. Tu vas aussi partir. Et tu sais, quand moi, je fais le voyage, quand j'arrive au Cameroun, mes documents, moi, je ne suis pas encore française, donc je fais très attention à ma petite carte de séjour, parce que si je les garde au Cameroun, facilement, mon bain est fini. Donc, et surtout que mon bain est fini. Donc, je prends ma carte de séjour et mon passeport. Je donne à mon petit frère ou un membre de ma famille. Ils vont garder ça loin de où je suis. Je reste avec ma carte d'identité camerounaise avec laquelle je roule dans la vie. Il m'a dit, vous avez vos papiers? J'ai dit non. Mes papiers, en ce moment, sont à Kribi. Bon, je ne voulais pas donner le nom de mon petit frère, parce qu'on peut aller arrêter aussi mon petit frère comme ça et tout à mon petit frère, parce que à mon frère à Kribi. Il me dit, on va vous faire un passeport. On va vous faire un passeport et vous allez rentrer avec les autres. Si vous n'étiez pas. Bon, il a eu un coup de fil, pardon, j'ai oublié. Il a eu un coup de fil, parce que quand j'ai fini d'expliquer l'histoire, hein, j'ai expliqué, il a dit, oui, vraiment dans les vidéos, il ne voit pas mon visage quelque part, mais comme mes soeurs se sont mal comportées, voilà, je suis obligé de suivre les autres. Donc, j'ai dit, comme c'est l'État qui décide, c'est le gouvernement camerounais, les autorités camerounais qui décident, je ne peux pas me battre contre ces personnes-là. Je suis obligé de me plier à cette décision. Alors, c'est comme ça qu'il m'a demandé si j'ai mes documents. Il dit que non, mes documents étaient à Kribi. Et quand je viens, je récupère souvent mes documents 2 jours avant le retour. Oui. Je récupère souvent mes documents 2 jours avant le retour. Donc, mais comme là, c'est venu là comme ça, je n'ai pas mes documents avec vous. Il m'a donné les conseils. Et pendant que je sais pas ce que j'étais dans mon sac, j'ai retrouvé mon récépissé. Il m'a dit, vous n'avez pas encore votre carte? J'ai dit, non, je n'ai pas ma carte. Il a demandé qu'on photocopie mon récépissé et que lui-même, il s'engage à me donner ma carte. Il va envoyer ça à l'ambassade du Cameroun. Et il m'a donné des conseils que vraiment, qu'il faut qu'on soit sage, que la prochaine fois qu'on se comporte, puis comme ça. Mais on s'est très mal comporté. J'ai présenté mes excuses parce que je reconnais qu'on s'est très mal comporté. Voilà. Quand je dis, on sait, parce que quand vous marchez en groupe, on ne peut pas accuser une personne. C'est si une personne a dérapé, ça veut dire que c'est tout le groupe qui a dérapé. Alors j'ai accepté, j'ai dit oui, je présente mes excuses. Et directement, il a eu un coup de fil. Il y a une personne qui l'a. Bon, moi, de manière de tel, non, je ne peux plus dire qui l'a appelé, mais je sais qui l'a appelé. Il a répondu au coup de fil. Il a essayé. Je ne veux pas vous mentir. La langue boulou, là, moi, je crois, le fang. En tout cas, la langue fang, moi, je comprends ça. Il a essayé de convaincre la personne au bout du fil pour dire non, celle qui est en face de moi, c'est une fille correcte. Parce que elle parle bien, tout ce qu'elle a expliqué, je suis convaincu que, et puis avec tout ce que j'ai vu, elle n'est pas dedans. Et vu que la décision était déjà prise, je ne veux pas aller dans les détails. Bon, voilà, la décision était déjà prise. Il est ressorti de son bureau, il m'a dit, comme tu n'as pas de passeport, on va te faire un autre passeport. Et je vous jure que je n'avais pas mes papiers sur moi. Je n'avais pas mes papiers sur moi. C'est Dakole qui m'a envoyé ça.
D'accord. Donc, comme il en est ainsi, on va te faire un autre passeport et on va t'accompagner à Simalène. Voici mon nouveau passeport. Qui a été fait à la façade. Le même jour. En 5 minutes. Parce que... Bon. On va parler dans les détails. Tu sais, c'est... Ça se passe comme ça, quoi. Je manque que je n'ai pas de passeport. C'est quoi ici? Vous les... C'est souvent bizarre avec les Camerounais. Hein. Ça, c'est qui? Celui-ci est arrivé aujourd'hui du Cameroun. Celui-ci est arrivé aujourd'hui du Cameroun. Je suis allé récupérer ça à l'aéroport. Aujourd'hui, ça. Du Cameroun. Donc, et c'est comme ça que j'ai fait le voyage. Ils m'ont dit, tu vas voyager le lendemain et tout. J'ai dit oui. Le lendemain, j'ai pris mon vol. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée, j'ai observé ces filles bavarder, raconter beaucoup de choses. Mais elles ne savent pas que non. Voilà un peu ce qui s'est passé. Quand je suis rentré ici, la seule personne, il y avait des gens qui étaient au courant, une comme Flore Deline. Parce que Flore m'a beaucoup soutenu. Franchement, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment beaucoup, mais qui ne s'entendent pas trop avec Flore. Mais cette fille m'a étonné. Elle m'a... J'ai dit, parfois les réseaux sociaux nous montrent l'image, une autre image d'une personne, quoi. Mais Flore m'a beaucoup soutenu. Elle m'a beaucoup soutenu. Elle m'a dit, Lolo, je m'en veux parce que au départ, tu ne voulais plus faire ce voyage. J'étais entraînée dans beaucoup de choses. J'étais forcée à suivre ces personnes-là. Et ne regrette pas. C'est bien comme tu es rentrée. Là, tu peux revenir, même de tes propres frais, tu continues ta canne. Donc, je suis rentrée. J'ai préféré rester un peu en retrait et regarder ce qui va se passer dans les réseaux sociaux. J'ai vu un certain compatriote, Niak Benjamin, faire un direct où il disait que si on ne rapatrie pas Lolo de la France, je vais faire telle chose. J'ai été choquée parce que c'est Niat Benjamin. Il y a 4 ans, nous étions des amis. Que ce soit son frère, quand on l'apprentait, nous étions des amis. Mais quand ils ont commencé leur combat des activistes, je me suis retiré d'eux. Parce que ce n'est pas... Je ne suis pas dans le même domaine. Donc on ne fait pas la même chose. Je me rappelle ici que ces deux personnes sont venus vers moi me demander des soutiens, de les apporter des soutiens quand ils étaient chassés dans leur milieu des activistes à la base. La première fois que j'appelle Calibri, le Malien, quand on l'apprentait, tu es dans mon direct, tu m'as appelé Waka. Je n'ai pas envie de gâter ce direct-ci, mais je te donne rendez-vous. Tu as osé m'insulter. Tu as osé me dénigrer, celle que tu as appelée ta sœur hier, parce que vous voulez montrer que vous êtes les seuls qui aimez le Cameroun. Nous tous, nous aimons le Cameroun. Il n'y a pas un Camerounais qui n'aime pas le Cameroun. Tu m'as insulté, tu m'as traité de pute. Mais tu as oublié qu'un jour, une fille qui me soutenait dans les réseaux sociaux, qui était Lolomania, tu es venu, cette fille a commencé une relation avec toi, une femme mariée,
une femme mariée, mère de deux enfants, qui aujourd'hui est en train de divorcer à cause de toi. Je vais raconter ça demain. Parce que je n'ai pas envie de salir ce direct. Toi, Niat, tu me menaces. Tu prends les photos que tu allais caricaturer, tu allais salir pour dire que c'est moi. Les vérités vont sortir demain ou après-demain parce que je ne veux pas salir mon direct. Je ne veux pas salir mon direct. Je préfère garder ça pour un autre jour. Je refuse de salir ces directs. Mais un autre jour, donc d'ici demain ou après-demain, je vais vous donner rendez-vous pour parler des deux personnes-là. Et je vais assumer. Je vais assumer. Et je vais finir ce direct. Je vais parler du tribalisme. Parce que il y a certains Camerounais qui se croient supérieurs à d'autres Camerounais parce qu'ils appartiennent à l'ethnie du village du président de la République. Sachez que le Cameroun ne fonctionne pas comme ça. Au Cameroun, on ne vit pas ça. Je suis la preuve vivante. Qu'on a rapatrié les filles du Djaï Lobo qui parlent la même langue que le président de la République parce qu'elles ont fait ce qui n'était pas bien. Il n'y a eu aucune menace. Quand ici, il n'y a eu aucune menace. C'est le comportement que nous avons affiché au Mont Fébé. Ils n'ont pas regardé que c'est la sœur du village. Ils ont appliqué la même loi sur toutes les trois. Il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Et que ces personnes, que ces petites personnes, des blogueurs, qui se disent blogueurs, d'autres activistes, qui parlent au nom du président, soit disant que j'ai insulté les Bamblékés parce que je soutiens le président Paul Biya. À partir d'aujourd'hui, oubliez ça. À partir d'aujourd'hui, oubliez le tribalisme. Laissez les Camerounais se regarder dans les yeux comme avant. Laissez votre discours tribal, parce que le Cameroun vous a montré que ça n'existe pas au Cameroun. C'est que ces deux filles de Dja et Lobo, elles devaient être au Cameroun aujourd'hui, et moi je serais rentrée. Mais ils ont appliqué la loi sur toutes les trois, sans dire que l'autre est du Dja et Lobo. Parce qu'ils avaient l'habitude, Malta Guinness avait l'habitude de se vanter avec ça dans les réseaux sociaux. Que je suis une fille de Dja et Lobo. Aller jusqu'à dire que je suis la pute d'un président de la République. Et ça, c'est une goutte d'eau qui avait débordé le vase. On leur a dit de partir. La Bamileke qu'ils appelaient, que la fille de Lobby Lobby Lobo. Nous sommes partis ensemble. Et je vais retourner dans mon pays. Je demande aux autorités camerounaises que je n'ai rien fait. Je vais retourner, continuer ma canne. Parce que la canne, je l'ai dans le cœur depuis longtemps. C'est un projet que c'est moi qui vous amène le projet de la canne. Vous influencez les Camerounais avec le vôtre. Je viens du Djaï Lobo, je suis Boulou, je peux les tuer, je peux être. Non, ça ne marche pas au Cameroun. Ça ne marche pas. Le Cameroun, c'est un pays uni et indivisible. Arrêtez vos propos tribaux parce que j'ai subi le tribalisme sur la toile. Pendant ce court séjour au Cameroun, j'ai subi le tribalisme. J'ai vu comment des femmes s'acharnaient sur ma personne. Parce que la fille Bamileke, je suis fière d'être une Bamileke. Je suis fière de l'éducation que j'ai reçue de mes parents. La preuve en est, hormis des réseaux sociaux, vous avez vu la vraie Lolo au Mont Fébé. Vous avez vu la femme discrète que je suis, réservée. C'est moi, parce que j'ai reçu l'éducation Bamileke de mon père et de ma mère. Et j'en suis fière. Oui, ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi au Cameroun, c'est parce que j'étais en groupe. Si j'étais seule, ça n'arriverait jamais. Je devais être toujours au Cameroun. Je suis fière d'être une Bamileke. Je suis fière d'être une Camerounaise. Venu de l'Ouest Cameroun. J'adore mon pays et j'adore mon ethnie. Je ne veux pas refuser mon ethnie parce qu'il y a des minuscules personnes qui alimentent le tribalisme sur la toile. J'ai été victime. Aujourd'hui, je suis là. Je suis rentrée. Vous êtes satisfaite? Lolo en France. Mais ce que j'ai partais faire au Cameroun, c'était pour donner le plaisir à mes lolomaniens. C'était pour vivre la canne. Parce que mon pays, je rêvais d'être dans les stades, des beaux stades.
J'ai rêvé de faire des reportages, de filmer les rues de Yaoundé, de Bafoussam, de Douala. De faire vivre ça à mes frères de la diaspora à travers ma page. Vous avez cru que je suis partie là-bas pour les millions? Non. Les millions, je sais chercher mon argent, je sais me battre. Ma mère était une commerçante, mon père était un commissaire priseur. Ma mère m'a éduquée, c'est la raison pour laquelle je suis une femme maniaque. Vous appelez les Bamlékés les porcs, mais je suis une fille Bamlékée, maniaque, propre, de l'extérieur comme dans mon intérieur. Je suis fière de moi, j'ai plusieurs facettes. Je peux faire le commerce, je peux tout faire. Je remercie mes parents pour cette éducation parce que malgré tout ce qui s'est passé au mon bébé, on dit Lolo s'est bien comporté et mes parents sont fiers de moi, là où ils sont. Mon père et ma mère sont fiers de moi. Laissez-moi tranquille. Je n'ai pas demandé de naître Bamlékée. C'est Dieu qui a décidé que je naisse Bamlékée. Arrêtez. Les personnes que je n'imaginais pas un jour. Mais je vous avertis. Je vous avertis. Que chanteuse, danseuse, n'importe quelle personne va se placer sur ma route. Je vais vous faire ça dur. Je n'aurai pas pitié de vous affronter. Faites très attention. Je vous vois gesticuler dans les réseaux sociaux. Je connais mes combats. Je connais la guerre parce que vous êtes des tribalistes. Vous avez des visages d'anges. Mais pas derrière. Vous êtes là pour nuire au peuple camerounais, pour détruire les Camerounais. Vous êtes des manipulatrices et une bande de manipulateurs. Mais je n'ai pas peur de vous. Le Cameroun a rejeté le tribalisme. Le gouvernement camerounais a rejeté le tribalisme. La preuve en est. Deux filles du Dja et Lobo, de Sarmelima, sont à Paris, rapatriées dans leur propre pays. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. Et j'assume. J'assume. J'assume le rapatriement et le chassement. Oui, j'assume. Allô? Donc je vais mettre le téléphone en ligne. Encore mes excuses au peuple camerounais. Je n'ai pas mangé l'argent du contribuable camerounais. Je vous précise, c'est une personne qui nous a invités. Mais derrière ça, vous savez, on a mis le show en disant que les blogueuses d'État. Parce que cette personne a payé les billets d'avion de sa propre poche. Parce que quand ils sont arrivés chez M. Ketchanke, il a refusé de payer les billets d'avion. C'est à la dernière minute que cette personne a payé les billets d'avion et elle nous a montré les factures avec lesquelles elle a payé les billets d'avion dans une agence de voyage à Yaoundé, avec son propre agent. Donc, je m'excuse encore, je remercie mes lolomaniens, je remercie les sympathisants, je remercie tous les followers de partout d'ailleurs. Merci énormément pour votre soutien. Merci, sans vous, je ne suis rien. C'est vous qui m'accompagnez. Vous êtes ma famille aujourd'hui. Je n'ai plus de parents, mais j'ai trouvé des pères, j'ai trouvé des mères, j'ai trouvé des sœurs dans les réseaux sociaux. Je demande pardon à ma petite sœur Eve Mbiaye, qui subit chaque fois qu'il y a quelque chose contre moi sur la toile. Elle a d'abord un enfant qui a un an aujourd'hui, un petit garçon. Entre s'occuper de ses enfants et s'occuper aussi de mes problèmes, ce n'est pas facile pour elle. Je remercie ma petite sœur. Je remercie mes parents de t'avoir donné, de t'avoir mise au monde. Parce que si je n'avais pas de sœur, peut-être je serais morte. Une sœur comme toi, c'est rare de l'avoir. Je ne te donne pas l'argent, je ne donne rien. Rien que l'amour et l'amour que tu m'apportes tout au quotidien. Vraiment, je me sens comblée et je suis fière d'avoir une petite sœur comme toi. Je remercie tous mes amis du Cameroun. Lilian Koulou, je remercie mon papa Fodia, l'homme qui est là, qui me soutient, qui encaisse tout, injuste, sabotage. Il est toujours auprès de moi. Merci pour le papa que tu es. Parce que quand je ne suis pas là, je sais que ta fille est entre les bonnes mains. Parce que tu es un papa. Peut-être que tu n'es pas un bon mari, mais tu es un bon papa. Tu es le meilleur papa du monde. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'être présent dans ma vie. Parce que sans toi, je ne serais pas Lolo Fodia. Merci papa. Merci papa Fodia.
Merci à mes amis du Cameroun. Je sais que quand je vais prononcer ce nom, ça va amener des problèmes. Je préfère ne plus prononcer. La personne se reconnaît. Merci beaucoup. Les gens te sabotent aujourd'hui à cause de moi. Ton nom sort dans les directs un peu de partout. Que ceci ou cela. Je te demande pardon et je demande pardon aussi à ta famille, à ton épouse, tes enfants, tes amis, pour tout ce que tu subis à cause de moi. Parce que si tu n'étais pas à côté de moi un jour, ça ne devait pas arriver. Je remercie tous les animateurs radio-télé au Cameroun, Radio Siantou, Cam TV, en tout cas tous les ces gars, les Alain Dester, Serge Tamba, en tout cas tous les animateurs de Yaoundé, ils sont très gentils, c'est des gars qui ont été toujours avec moi, ils m'ont accueilli, nous sommes sortis, nous sommes partis à où j'avais rencontré Flore, c'était à on avait déjà tout programmé. Je devais passer à l'émission dans l'aide d'Estracia TV. J'avais des émissions télé. Mon pote de Radio Siantou, que je devais rencontrer aussi, je devais passer à sa télé. Merci beaucoup, mon fidèle ami de Radio Siantou. Merci beaucoup. C'est qui encore? Comment il s'appelle encore? J'ai même oublié son prénom. Pardon, j'ai oublié ton prénom. Merci à toutes ces personnes-là. Merci à mon... Voilà, merci, merci. Merci à Flore Denil. Merci la Mafou des abeilles. La Uno de Uno, merci vraiment pour ton soutien. Ma soeur, le passé reste le passé. J'ai vu ta sincérité. J'ai vu ta sincérité. J'ai vu ta présence à mes côtés. Ton soutien, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Merci au Lolomania. Merci au Lolomania. Merci aux sympathisants. Merci à tout le monde. Merci. Merci, 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 merci. Et encore pardon. Je vous demande pardon, pardon, pardon. Merci à Tata Aline. Aline Zoboben. Merci, ma soeur. Tu as voulu bien faire. Ça s'est passé comme ça. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir pensé à moi parce que les gens ne s'attendaient pas que tu pouvais faire quelque chose comme ça pour moi. Merci, Tata Aline. Je te porte dans mon cœur. Tes numéros restent pour toi. Merci beaucoup d'avoir une idée de m'amener avec toi. Merci, Aline. Merci beaucoup, Aline Zomo. Merci. Merci pour ta gentillesse. Merci beaucoup. Mais la prochaine fois, essayons de faire autrement. Parce que c'est le Cameroun. C'est notre pays. Nous devons protéger ce pays-là. Nous devons protéger ce pays. Nous ne devons pas salir l'image de ce pays. Et cette fois-ci, nous avons déconné. Acceptons ça. Nous avons déconné. Mais Aline Zomo Ben, tu es une belle personne. Mettez les cœurs, on signale, mettez les cœurs. Tu es une belle personne. Je serai toujours avec toi et je te soutiendrai et je vais toujours te respecter parce que tu m'as monté ta grandeur d'esprit. Merci à tous les Lolomaniens. Merci. Mettez un téléphone en ligne. Voilà, le téléphone est en ligne. Vous pouvez appeler pour me poser des questions. Merci à tous les Lolomaniens. Mais Lololo, Gloria, Lolo vous dépasse, la panthère du zoo, Pamela Criquet. Pardon, mettez les cœurs. Merci, merci, merci. Cindy Force Force, Bardo l'Allemand, Trish la Fabuleuse, ma petite sœur, ma camarade de classe, Louise Mi. Merci, Étoile Cribienne, la révélation des blogueuses de 2021. Merci, ma fille. Te bénis. Tu es l'une des plus grandes blogueuses camerounaises aujourd'hui. Merci beaucoup, l'étoile qui vient. Je t'aime, ma petite sœur. Merci à toi, Natacha de Monaco. Merci beaucoup, ma petite sœur. Mes petites sœurs de Kibi ne m'ont pas abandonné dans les réseaux sociaux. Merci, vive Kibi, notre beau village. Merci, Natacha de Monaco. Merci, ma lionne, la plus belle, la plus mignonne, la plus sexy, Natacha de Monaco. Merci beaucoup. Merci. Merci pour le travail. J'ai vu comment vous êtes mobilisé pour moi. Merci à Tatana. Nadège Mbappa. Nadège Mbappa. Tatana. Merci. Merci Nadège. Merci. Encore pardon pour le clash que j'avais eu à faire sur toi. Je ne savais pas aujourd'hui que tu pouvais m'apporter
ce soutien. C'est pour dire qu'on est passé à autre chose aujourd'hui. Merci beaucoup, Nadège, papa. Merci, je t'aime, ma soeur. Merci, merci. Merci à Deko Mamougou aussi, que j'ai pas oublié. Merci à Deko Mamougou. Merci beaucoup. Merci à Ducamer. Merci à Amé Kamé. Ducamer, merci. On est ensemble, mon frère. Merci beaucoup. Merci à Nathalie Babalé qui m'a appelé plusieurs fois pour me soutenir aussi. Merci, Nathalie Babalé. Merci à... J'ai oublié peut-être les noms. Mais merci beaucoup. Et toi, Kibien, je t'aime. Je vais prendre les appels. Merci à VP de Londres pour le soutien. Merci, VP. Je vais prendre les appels. Je vais répondre à quelques de vos questions. Allô? Oui, bonsoir, Tata Lolo. Bonsoir. Excuse-moi, j'appelle pour intervenir. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, pour intervenir. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde connecté. Bonsoir Lolo Mania. Tata Lolo, je viens de suivre ton brillant direct. Déjà, je te dis bravo. C'est vrai qu'à un moment donné, tu m'as fait couler les larmes. Bon, si je me permets d'appeler, je n'ai pas souvent l'habitude de le faire, c'est tout simplement pour te dire que la nation tout entière vous a observé depuis votre déplacement partant de la France pour le Cameroun. Bon, vous êtes arrivé au pays, tout a tourné au fiasco. Je voulais déjà, avant de te poser ma question qui aura deux volets, je voulais savoir, ou alors avant de commencer de poser ma question, je voulais te dire déjà, Tata Lolo, merci parce que parmi les trois, tu as été exemplaire. Je t'ai pas connu comme ça. Tu me pousses, moi, personnellement, à dire à tout le monde que Tata Lolo qui est devant la caméra ou alors devant Facebook, c'est pas la même Tata Lolo en dehors. Facebook. Là, j'ai dit, moi, parce que tu n'as pas prôné le tribalisme. Parce que nous avons écouté, nous avons suivi des directs, des directs et nous avons tiré des leçons. Tata Lolo, une fois de plus, je te dis merci. Merci de rester celle que tu es. Merci de rester cette femme que tu es. Parce que passant par toi, nous apprenons, moi personnellement, j'ai appris quelque chose de toi ce jour. Au mon bébé, je t'ai vu. Tu ne voulais pas entrer dans un direct. C'est quelque chose qui m'a amené à réfléchir. Déjà, bravo. Et continue. Ne te laisse pas abattre. Bon, je voulais parler. La suite pour une question par rapport à ce voyage qui a tourné au fiasco, si je peux le dire. Si au jour d'aujourd'hui, on te demandait en quelques mots de présenter brièvement ce qui s'est passé ou alors en quelques mots prononcer des paroles pour appeler déjà celle qui vous a envoyé, je ne sais pas si c'est. Voilà, bref, qui va arriver, ce que je dis à la personne. Donc, deuxièmement, je voudrais savoir quel message est-ce que tu peux véhiculer à l'Afrique tout entière, plus particulièrement au Cameroun, parce que beaucoup de Camerounais sont dessus après tout ce désordre qu'il y a eu. Qu'est-ce que tu veux dire au Cameroun? Je peux le dire de lancer, je vais faire. Okay, je représente encore mes excuses à la personne qui nous a invités. Parce que nous n'avons pas été à la hauteur. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Nous avons déconné. D'accord. Je présente vraiment mes excuses à cette personne-là. Et au peuple camerounais. J'ai besoin d'excuses pour qu'on va humilier. Ils ont vu que l'image de l'homme a fait le travail qu'il fallait pour comme si
D'accord. Coupé.